Et bonsoir à tous, bienvenue pour cette soirée de tournoi fun. Donc Contos avec MTK, bonsoir MTK. Bonsoir, bonsoir. Donc effectivement, tournoi fun, plein de surprises qui nous attendent. On nous envoie quelques indices pendant la semaine, mais qu'est-ce que P et S peuvent bien signifier? Ah, il y a des idées là, PlayStation, parfait Sotnok à l'envers. Perspective Symphonie. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette idée que nous propose David Tiefel? C'est marrant C'est parce un que. crossover incroyable qu'il nous C'est marrant propose. parce que. En fait, il y a quelqu'un qui l'a trouvé dans le chat de l'UD avant qu'on commence l'émission, et bien avant d'ailleurs. Ah, d'ailleurs, on vient de m'en parler. On vient de me donner encore une autre. On vient de me donner la réponse. Effectivement, il y en a qui l'ont trouvé. Donc, ils peuvent le lancer sur le chat. Le PNS, ça veut dire tout simplement. J'attends qu'il y ait quelqu'un qui me donne la réponse. Parce Alors, que ça fait deux y fois que a-t-il je l'ai quelqu'un? vu. Alors, est-ce que c'est parti suicidaire? C'est pas Participer, non. Ah non, ce n'est pas parti suicidaire. Donc ça va, vous avez de la chance. Ah, Jim aurait-il eu quelque chose? Pile ce jeu, nous dit David Tifa? Ouh. Et voilà la réponse, vous l'avez. Décevez. Bravo, Jikin! Bravo, Jikin! Bravo Jikin, prequel and sequel. Oh, qu'est-ce qu'on prononce bien l'anglais? Ouais, très cool ou Alors, prequel. prequel et sequel, ça veut dire quoi? Molyman va nous faire la leçon pour l'anglais, je pense. Carrément. Alors ça veut dire qu'en fait, on va prendre les jeux de l'UD, bon ça, on vous y attendez un petit peu, mais pas réellement. Incroyable. On va prendre les jeux de l'UD, mais génération N-1 ou génération N plus 1. Oui, c'est Tom Udizi qui l'avait dit sur le channel, effectivement, UD. Et donc ça veut dire qu'on va aller soit un peu dans le futur, soit un peu dans le passé par rapport aux jeux de l'UD auxquels on va jouer. On va commencer par une petite image pour commencer sur le premier jeu. Quel va-t-il être? Du coup, je vous montre le jeu. Essayez de deviner à quoi ça fait rapport, évidemment. C'est ça qui est le plus drôle dans l'histoire. Quel est donc Voilà. ce jeu? Le Quel est premier donc jeu, c'est celui-là. Ça, c'est l'endroit où vous devrez aller à la fin du jeu pour terminer. Mais à quoi cela ressemble-t-il? À quoi ça ressemble? Oh, on dirait qu'il y a déjà des Alors gens qui sont chauds. ça se devine assez facilement, effectivement, oui. On reconnaît, je ne sais pas, peut-être un long manteau, peut-être le chapeau, peut-être la coupe de cheveux, peut-être. Alors non, c'est pas Mickey, effectivement, Molyman, tu as raison. C'est Color Symphony, premier du nom. Effectivement. Alors avant Castlevania. le 2, évidemment, puisque nous on a le jeu. On a le jeu Color Symphony 2. Ce que je vais vous demander, donc, c'est qu'on va jouer à ce jeu. En fait, je vais vous expliquer par quelle modalité. Sur le dock que vous avez actuellement, sur lequel vous êtes inscrit, le premier jeu donc qui va y avoir, vous l'avez donc effectivement deviné, c'est Color Symphony 1 et pas 2, même s'il y aura écrit 2, voilà, ça sera 1. Je vais vous demander d'arriver à la fin de ce niveau, le niveau que vous voyez en image là ici. Le niveau que vous voyez en image, c'est le 20e. D'ailleurs, s'il y en a qui se mettent, si vous vous mettez en fenêtré, vous verrez, il y a les niveaux en haut qui sont marqués. Et donc vous allez faire Color Symphony, enfin vous allez pouvoir jouer à Color Symphony 1. Vous allez voir les surprises de gameplay que ça comporte, etc. C'est assez fascinant. Honnêtement, vous allez être un peu Un choqué. peu Quand vous arriverez, décompréhensible peut-être. quand vous, oui, un petit peu. Quand vous allez arriver à Color Symphony, à la fin, à ce niveau-là, à prendre la porte donc que vous voyez tout à droite de l'image, vous timez stop par rapport à votre départ et vous allez donner votre temps sur le G-Doc, tout simplement. Ceux qui auront le premier terminé gagnent 25 points, le deuxième 20 points, etc. Enfin bon, ça c'est pour faire des points, c'est plus pour entre guillemets enrober tout ça, c'est pas forcément le plus intéressant. Mais voilà, ça va nous faire un petit changement par rapport à ça. Donc ça veut dire qu'il faut que vous arriviez là. Je réponds à poser les questions si vous voulez les poser, parce que j'essaie d'être clair dès le début, comme ça va être fait pour les 4 autres jeux qui vont suivre dans la soirée. Dès que vous arrivez, vous mettez votre temps. Et une fois que vous avez mis le temps, vous pouvez continuer. En fait, normalement, c'est prévu pour que ça soit fait entre 10 et 15 minutes, à peu près. Ça peut déborder jusqu'à une vingtaine de minutes, mais il faudrait que tout le monde arrive à ce passage-là. Comme ça, on a les times de tout le monde. Donc, tant que le dernier n'a pas terminé, vous pouvez continuer et découvrir la suite du jeu. Puisque c'est pas la fin, là, ce que je vous montre. Voilà. Pour l'instant, j'ai absolument rien compris. J'essaye d'être clair, mais c'est pas évident. Forcément, c'est un petit peu bizarre. En gros, vous allez lancer le jeu. Vous allez aller jusqu'à ce niveau. C'est le niveau 20. Et une fois que vous êtes arrivé au niveau 20, vous soumettez votre temps sur le G-Doc. Voilà.
Là, je pense que j'ai bien résumé. Et alors, bonne question. Comment on, Moliman. Comment on obtient le jeu? Le jeu se trouve sur Steam. Il s'appelle Color Symphony et il est gratuit. Vous pouvez le télécharger maintenant. Il prend 100 mégas, un truc comme ça. Donc vous pouvez le faire maintenant. Il va y avoir un petit moment de setup comme ça, puisqu'il va y avoir des jeux que vous n'aurez pas. Mais on va vous expliquer comment ça marche. Donc le jeu est sur Steam, Color Symphony, et c'est gratuit. Vous avez juste à le télécharger. Ça prend genre. Bah, ça prend sur votre connexion internet évidemment, mais ça devrait pas prendre beaucoup de temps non plus. Et après, on pourra lancer le timer là-dessus. Voilà. Donc on va essayer d'attendre que tout le monde soit prêt évidemment. N'hésitez pas à mettre ready dans le. Dès que vous êtes prêt dans la race. Comme ça. Ça dépend des connexions, c'est vrai. Mais bon, j'espère que pour un temps aussi peu, voilà. Mais le 1 va vous surprendre. Le 1 va vous surprendre, c'est assez intéressant. Alors c'est peut-être une bonne chose du coup, d'après les commentaires de Contos, que tu ne saches pas jouer au 2 pour découvrir le 1. Parce que tu ne seras peut-être pas surpris par des mécaniques auxquelles tu étais habitué. Ouais, le gameplay va être bizarroïde un petit peu. Voilà, bah Demu dit c'est bon, il a le jeu, il est ready de son côté. Alors évidemment, préparez-le sur le stream hein, pour qu'on l'ait, puisque là on va avoir on va amener 7, il y a 7 joueurs aujourd'hui. Vous pouvez vous inscrire encore d'ailleurs si vous voulez. Donc on fera 4 en main et 3 en backup. Enfin voilà, on fera sorte de tourner un petit peu. Voilà. La manette est disponible sur ce jeu-là. Normalement, alors tant que vous n'avez pas une manette trop compliquée, mais celle-là, enfin, en tout cas, la manette Xbox marche. Il va y avoir des trucs, hein, donc voilà. Ça va être différent, vous voyez que même sur le screen, les couleurs qu'on va utiliser sont pas les mêmes et sont pas setupables en plus. Donc c'est assez différent de ce qu'on a. Je vais pas tout vous spoiler non plus, hein, mais voilà, il y a 2-3 trucs différents, même si vous allez retrouver évidemment le principe. Donc voilà, j'attends que vous mettiez tous prêts sur la race. On va se lancer le clip de Color Symphony 2, évidemment, pour voir un petit peu la différence. Ça n'aura rien à voir, mais comme ça, on pourra mieux apprécier les différences. Voilà, et on se retrouve juste après. Mettez ready dans la race si c'est ok. Posez les questions si jamais c'est pas ok. On va essayer de faire ça pour que ça soit le plus fun possible. N'oubliez pas de télécharger le jeu, évidemment, pour le jeu. Voilà. Les sûrs de menus sont assez flippants comparé aux deux. On va voir ça tous ensemble. Je parle dans le vide, pardon. On a parlé dans le vide, désolé. Donc enlevez le full screen si voilà. Vous avez le droit de changer les boutons pendant la manette pendant le jeu évidemment. Mais ça vous est décompté dans le temps du jeu quoi, forcément. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, le timer on en a un. Enfin, il y en aura un comme à toutes les races, donc gardez-vous un timer à vous, évidemment, mais vous n'êtes pas obligé de l'afficher. De savoir votre temps que vous devez soumettre. Voilà. Quand même. Normalement, il n'y a pas besoin d'afficher autre chose.
Voilà. Est-ce que on est Voilà. bon? Moi, j'ai l'impression que vous êtes tous bons. Je vous vois Oh, tous parfaits. tous bons, Eh, vous êtes incroyables. incroyable. Vous êtes incroyables, vous êtes tous prêts. Attends, je suis trop content. Tout ce joli monde qui est prêt, tout ce joli monde qui a téléchargé le jeu en 2-3 mouvements, tout ce joli monde à la connexion internet incroyable. Je suis pas prêt, j'ai Mais posé une papa, j'ai posé une question. question. Mince. Oui, vous avez le droit de lancer le premier niveau si vous voulez regarder si vous êtes OK Voilà. sur les binds. Et bon, ne jouez pas Incroyable. évidemment pour rester, mais regardez si vous voulez sur les binds. Et voilà, on va passer à la scène. Donc voilà, vous avez le droit de tester évidemment si vous voulez juste tester, si ça saute, si ça machin, etc. Enfin voilà, si vous pouvez faire 2-3 trucs, c'est normal évidemment. Le but c'est quand même que voilà. Que vous puissiez tester un petit peu. Et qu'on puisse se lancer ça hein, tranquillement. Mais moi en tout cas Alors voilà, j'attends on beaucoup de voit. ce jeu parce que vous allez. Je sais pas si vous arriverez à faire les 20 niveaux en moins de 10 minutes. Je suis assez curieux. Parce que moi je les ai fait en 10 minutes, mais je les ai fait en 10 minutes après avoir testé le jeu. Donc en ayant pris Donc déjà. il connaît. Ouais, je connaissais déjà, donc franchement, si vous me faites moins de 10 minutes là-dessus, ça serait juste insane. Est-ce Alors que quand même tout qu'on le voit monde est des ready? Là, du on voit des coup. animations incroyables quand même. Ah, vous allez être incroyable. Déjà, on découvre chez Holyman qu'on a le saut et le double saut. On Voilà. voit le menu où il y a ce corbeau, je suppose que c'est un corbeau qui vole, on voit cette plante qui Alors, ouais, ondule. non, ça, On a un menu animé comme ça. on va avoir des choses que dont vous n'avez pas idée parce que ben, non, elles ne sont absolument pas dans le 2. C'est assez drôle du coup. Alors, Moniman, c'est bon, Jikin est prêt, Tevitifa, on attend. Et moi, je suis prêt évidemment, donc j'ai pas besoin de. Voilà. La mollesse, oui, peut-être un petit peu. Vous allez voir que c'est assez bizarre, mais il y a des éléments de gameplay qui n'ont pas été repris, d'autres repris, etc. Alors, est-ce que ça va être une bonne. Est-ce que les éléments de gameplay n'ont repris? Est-ce que ça a été une bonne chose qu'ils ne soient pas repris? Ou est-ce que c'est un manque dans le jeu auquel on a surludé? Je pense clairement qu'ils ont fait des très bons choix. Ils ont fait des très bons Je choix, pense qu'ils ont ok. fait des très bons choix en passant du 1 au 2. Enfin, il y a eu des très très bonnes idées. Et clairement, il y avait des mauvaises idées, faut être clair et Il y net. avait des Dans très ce mauvaises jeu, il y idées. avait des très mauvaises idées. Et Alors, le on 1 va le est-il voir. le brouillon du 2? Vous allez Hop. découvrir. Bah voilà, on attend juste Devitifa qui finisse de setup sa manette et on est bon pour lancer ce premier jeu. Il y en aura 4 des jeux, donc voilà, c'est pour ça qu'on va pas passer trop de temps non plus sur les jeux. Évidemment, si vous les découvrez après coup, il n'y a pas de souci, mais sur les débuts, voilà. Voilà, c'est ça. Et 4 jeux, mais là, de toute façon, on setup, profitez bien de ces temps de détente, si je puis dire, en avant le début de la run. Yep, ah ben bah Oula. voilà, Devitifa est ready, et bah du coup. On va être ready, on va On va mettre pouvoir lancer. le start et c'est très très bien. Vous allez pouvoir partir et découvrir un petit peu ce jeu. Tout à fait magnifique. À 5, à 4, 3, 2, 1, et c'est parti. Go! Alors on a une petite histoire, etc. Vous avez vu donc qu'on a le double saut, mais vous allez voir déjà un truc qui va se surprendre, c'est cette espèce de barre d'HP tout en haut. Je sais pas si tu l'as Ouais, vu. je vois ça, Oh, effectivement, on voit déjà que on se prend des coups. Jikin, c'est la mort! Oh non, Ah, Jikin qui c'est la mort damage que je coupe boost! aussi! Oh là 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 là! Alors, du coup, en fait, ça, Jikin, il c'est a quelque damage chose boost. d'incroyable. Donc, nous pouvons nous prendre plusieurs hits. Oui, on peut se prendre Ça, c'est plusieurs hits. quelque chose qu'on n'a pas dans le jeu de base. Non, hein, donc on peut Ouh! se prendre des damage boost, c'est assez drôle pour le coup. Après, les frames d'invulnérabilité ont l'air d'avoir repris à Mickey, qu'elles ont l'air, enfin les frames, les animations de dégâts ont l'air d'avoir repris à Mickey dans le sens où elles sont plutôt longues. Il y en a qui se débrouillent pas trop mal, hein. Je suis assez. Oh, la chute là La de Jolenou. jaune C'est la tragique chute. et Schlumpf aussi est tombé. Alors, N'oubliez pas vous voyez. Ouais. n'oubliez pas que vous avez le double saut, hein, attention. Oui. Alors, on voit que, bon, évidemment, la chute est. Enfin, le personnage est assez difficile à contrôler. Je pense que les gens s'en rendent compte. Ah ben disons que c'est le personnage qui est rigide, il a un manche à balai quelque part. Alors, Stéphane nous parle de la vitesse de déplacement. C'est vrai qu'elle n'est pas la même. Pour le coup, elle n'est Non. pas du tout la même. Elle est Bah un peu disons plus que complexe.
Voilà, le personnage a dû faire un peu de fitness puisqu'il est devenu plus dynamique. Voilà, on voit quand même cette magnifique animation de... Quand même, il tient son chapeau toujours. Oh, Moliman, il essaye de passer par-dessus la porte, j'avais pas fait gaffe. Oh là 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 là. C'est la strat insane de Moliman. Alors, vous avez vu qu'il y a des petits animaux, on a vu des loups, des oiseaux, etc. Et qui sont donc... Des obstacles à éviter. Des obstacles à éviter qui ne sont pas dans la version Color Symphony 2, les animaux et tout ça. Et c'est plutôt remplacé par les tourelles, et honnêtement, je pense que les tourelles, c'est mieux. Les tourelles, c'est mieux. Bah, ça dépend si on aime bien les animaux. Je pense honnêtement. Alors là, on passe en haut par rapport à Yonelo. On va regarder un petit peu du côté des backups ce qui se passe de leur côté. Ils sont pas loin en termes de niveau. Alors je ne saurais pas exactement vous dire quel niveau correspond à quel numéro. On verra bien au moment où ils avancent, etc. Mais ils se débrouillent pas trop mal pour le moment. Ludidi et Deltifa qui sont au même niveau. C'est Skunkov qui a l'air d'avoir un peu d'avance, peut-être. Peut-être un petit peu d'avance, oui, effectivement. C'est pas mal, alors attention. Alors là, il faut bien trouver quoi faire, hein. Trouver quelle couleur va désactiver ou activer ce qu'on cherche à voir. C'est une mécanique qu'on connaît hein, maintenant, dans le fait de désactiver la chaîne pour que la... quelque chose tombe, ça existe. Oh boum, Skunkov qui a pris le feu. Skunkov, cet aigle. Si vous vous rappelez de Ninja Gaiden. Ils sont tous au même endroit. Ah, je pense qu'ils vont tous le prendre, cet aigle, parce que c'est un peu l'aigle que tout le monde va prendre à ce moment-là. Ah, et bim c'est... Oh, des petits fois qu'il a évité. L'aigle du piège. Mimidi qui l'a pris. Ah, et à l'arrivée, en plus, il y a une jolie. Je ne sais pas ce que c'est, ces pics, ces espèces de fleurs sauvages. Des chardons, peut-être. Il doit tomber dans des chardons. Oui, c'est vrai que ça fait. Je sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas ça fait mal. Ça a l'air organique en tout cas, par rapport au côté ultra mécanique de... Oh, dommage Kunkov, il a loupé son double saut plus exactement. On voit qu'il y en a qui ont bien bossé quand même, le changement de couleur et tout ça, c'est devenu un sacré réflexe. Parce que là, les couleurs sont pas les mêmes, hein. On n'a pas du tout les couleurs passées au même endroit. Voilà, et pareil, on se prend des dégâts quand on atterrit dans la même couleur. Oui, on voit encore ces espèces de... Pardon... Oh non, Mumu, et boum, oh là là, chute. C'est de l'enfer. C'est la chute. Tifa, lui, il passe par le panneau sorti. Donc on peut supposer qu'en allant, suivant les panneaux qui existent, on arrive bientôt. Alors qu'on retourne chez Mumu, donc David Tifa a l'air en tête, alors que Moliman... Oh non, Yoniloge, la chute. Je voulais nous, pardon, je lis son pseudo Twitch. Ah là, incroyable. Alors attention, on a toujours ces... Pardon, Zardon, peut-être. Alors, que faut-il faire? Là aussi, n'empêche, c'est plus une redécouverte aussi. Ah, c'est dommage, je le dis, il avait bien vu que d'abord, il pouvait désactiver ses chardons, puis finalement, il est retombé dessus. Alors que Jikin essaie de comprendre comment passer en faisant des... Oh, bien! Allez, le double saut, et effectivement, ça, c'est les mêmes techniques que l'on retrouve dans Color Symphony 2, donc faire disparaître la plateforme quand on est dessous, la faire réapparaître quand on est au-dessus. C'est la chute, dommage. Non mais là, c'est bien parce que t'as des couleurs à désactiver, mais tu as besoin de la couleur sur laquelle tu es, mais tu as un aigle de la couleur que tu veux garder pour te poursuivre. Incroyable. Ah ouais, non mais ça commence à être un petit peu violent, parfois. Ouais, on sent... Là, je pense que Jikin, il est sur le niveau l'un des plus durs, je pense, de la sélection. Ah là, ouais, Jolenou aussi. Ah, les deux oiseaux, ils sont insupportables. Jolenou aussi, et aussi, les deux oiseaux sont vraiment insupportables tout en haut. Alors, oh là là. En gros, on a besoin de la couleur verte pour décoller, mais donc il faut désactiver la couleur verte après avoir décollé pour pouvoir sauter sur le plan jaune. Ah ouais, non, mais c'est assez. J'imagine que les cycles, c'est bien. Alors, on peut alors, toujours. Je tente de passer par là. Moi, je passerai par en haut plutôt que de passer par ici. Et je pense que. Je sais pas si la porte, on peut la voir de ce côté-là. En tout cas, ils vont un petit peu galérer sur ce niveau. Ça, je pense que. Ça peut être compliqué. Heureusement qu'on a plusieurs hits, j'ai envie de dire, ou malheureusement, malheureusement en fait. Bah en fait, pas forcément heureusement, mais... Alors voilà, il faut faire très attention à pas être trop sur la gauche, parce que sinon on prend... la hitbox des roues est assez grande, il faut être plutôt sur la droite. Des scies circulaires. Des scies circulaires, pardon. Voilà, petit conseil que je balance comme ça, c'est pour ça que c'est pas trop mal d'écouter aussi en même temps le stream, que vous ayez des petits conseils de... Oh, joli nous, encore. On voit que l'IA, donc oui, effectivement, c'était pour Prequel and Sequel. Oui, voilà. PNS, c'est pour Prequel and Sequel, tout à fait. Allez, Jikin qui va arriver tout en haut là.
Ici. Alors, on va. Bah, alors, si on désactive le jaune, on attend, on recherche bien. Oui, on se rappelle GG, couleur. Voilà, c'est beau. GG. Alors là, ah, oh, jouez-nous, non, quel dommage. Voilà, j'ai Kim qui passe. Voilà. Ça, c'est terrible. Il faut bien quand même savoir où aller. Je pense que les panneaux. Ah, oh là là, c'est. Ah, la déception plante, ce sont. Ça ressemble à des tentacules un peu quand même. Des tentacules. Oui, ouais. C'est vrai qu'un petit peu. Allez, Schpoumpf qui y est. Ah, oh, Schpoumpf, il est trop. Ah, malheureusement, il a touché les roues. Faut vraiment se mettre le plus à droite possible. C'est ça. Il a touché les scies. Et donc, ils sont un petit peu tous sur le même niveau, évidemment. Ça paraît logique. On va regarder un petit peu nos backups, entre guillemets. Nos backups, c'est parce qu'ils sont inscrits en dernier. Hein. C'est pas forcément des backups. C'est ça, voilà. C'est... Avantage au temps d'inscription. Avantage de ton inscription. Incroyable cette sélection. Alors Skunkov est surtout embêté parce quoi... que ce qu'il faut savoir c'est que le fait de pouvoir cumuler les couleurs ça nous coûte des HP dans ce truc là. Oui, incroyable. Donc les HP en fait ont une double dimension, à la fois ça nous permet de prendre des hits, mais c'est ce qui nous permet d'utiliser. Donc c'est. Alors, c'est... Je vais publier l'image dans Race puisque évidemment je l'ai pas publié, j'ai oublié, comme ça vous pouvez voir si c'est la bonne image. Normalement c'est le niveau 20. Et vous pouvez savoir laquelle c'est. Hop, je la remets. T'as mis là qui ont vraiment déjà fini. Sans blaguer. Ouais, donc peut-être. Alors évidemment, quand vous avez fini, vous pouvez continuer, hein, puisqu'on s'arrêtera que quand tout le monde aura terminé. Voilà, j'ai fait un screenshot de fin sur Discord. Didi qui a effectivement terminé. On voit aussi. Apparemment, des petits fois qui avaient terminé avant, et bah. Vous avez été rapide. Voilà. Vous avez été vachement plus rapide alors, que moi, dis donc. Didi, je suis dégoûté. Je suis pas dans la bonne position par rapport au race, donc. ça ne compte pas. Jikin voilà. Aussi, mais vous êtes trop rapide. Hein. Mais je vous sous-estime trop en fait. Je vous estime beaucoup trop. Ah là là. Allez, je reviens sur les mains un petit peu. Alors voilà, donc Jikin qui a fini, qui a le droit de continuer. Alors Schlumpf qui est à ce passage infernal. Là, c'est bon. C'est vrai qu'il est assez relou. Hein. Ah là là. Ce jeu est dégueulasse, nous dit Tifa. La plante tentacule chardon, ou je ne sais pas trop comment l'appeler. Ah non, jouez-nous, c'était en bas qu'il fallait aller. Ah, mais il a peut-être une stratégie, qui sait. Hein. Ah non. Je crois pas qu'on puisse passer à travers. Jikin qui est arrivé. Oh, vous êtes arrivé tellement vite. Alors, Schumpf qui progresse. Je le nous. Schumpf, je pense qu'il manque la couleur, voilà, c'est ça. Il lui faut la couleur. Déjà, un 10, on voit du bleu, il faut faire disparaître le bleu. Ouais. Voilà. Hop, ben non, oh, quoique ça va peut-être passer. Ah oui, c'est passé. Attention là, on fait faire tomber le panneau sur les tentacules pour les tuer. Bon, apparemment, vous avez pas l'air chaud pour continuer là à essayer. Les niveaux sont pas si compliqués derrière, hein, mais voilà, ils sont quand même assez marrants. Ils sont pas si compliqués que le niveau 20 ou Non, je pense que. Alors, il y a un niveau qui est très très compliqué qui est un peu plus loin. Où il y a en fait, ce qu'on sait pas, c'est que le jeu a une gestion aléatoire parfois des couleurs un peu plus tard dans le jeu. Et c'est horrible cette partie. C'est-à-dire que on peut changer de couleur. À la base, l'oiseau était vert, et puis on change de couleur, il devient bleu. Et c'est horrible à changer. C'est insupportable. Voilà, Jikin qui essaie de continuer. Ah, Jikin, il continue. Il a du courage. Jolenou, il arrive à la fin. Allez, Jolenou. Voilà, Jolenou peut rentrer son temps. Il a fini, vous pouvez rentrer votre temps, évidemment. Schlumpf qui continue d'avancer vaillamment, vaille que vaille. Alors attention à ces charbons. Il peut continuer, hein, puisqu'il reste encore quelques personnes qui ont pas terminé. Moliman n'a pas terminé encore. Alors il ne sert. C'est difficile de sauter par-dessus les ennemis, il vaut mieux les faire disparaître. Mais on voit que la hitbox des chardons là est un peu. Un peu tendancieuse. Hein. Ouais. Alors attention, il faut pas sauter trop non plus à cause de cette. Ah dommage, il a remis la couleur trop tôt. Ça va être compliqué, hein. Les oiseaux sont hyper embêtants. Ah oh, GG. Oh. Je pense pas qu'on ait le temps de voir, c'est un peu plus tard dans le jeu qu'on voit la RNG qui change, de la couleur qui change suivant, Oh oui, et Schlumpf qui est terminé du coup. Schlumpf qui peut nous mettre son temps. Oui, c'est fini la Schlumpf. Et Moliman aussi qui a terminé, je crois. Qui est sur le dernier niveau, en tout cas Moliman qui est sur ah ce oui, fameux non, niveau. Ah oui, Moliman est sur le dernier niveau. Non, il faut qu'il passe en haut.
Est-ce que Skunkov a terminé? Oui aussi. Schlumpf, il s'est fait toucher, il a traversé les roues d'entier. Ah, en fait. C'est pas mal. Ah oui, Moliman, oh, juste avant la fin. Il lui a manqué un tout petit peu de son choix. Oui, la hitbox des pics, alors. Des pics, est-ce vraiment des pics? C'est une bonne question. Moi, je trouve que c'est des charbons. C'est de Oh, le damage boost vers l'avant. Oh là là, magnifique, Moliman. Le beau jeu, donc Moliman qui a fini. Et qui termine. Voilà. Oui, c'est fini là, effectivement. La hitbox des pics, nom de Dieu. Voilà. Voilà, voilà. Allez, un petit tour sur le classement. Alors, c'est incroyable. Alors, il faut mettre les temps sur le G-Doc, hein, en fait. Hein. Je vois que vous avez pas tous fait. Je vous laisse évidemment le faire. Il y a Jikin qui continue un petit peu, voilà, tranquillement. Il aime bien le jeu, Jikin, au final. Hein. Ah, c'est ça, l'air de... Jikin, en fait, un passionné, hein, peut-être. Un passionné, oui, c'est vrai. Un coup de foudre. Et Mudi a continué un petit peu. Hein. Oh là là, dis donc, je sais pas sur quel niveau il est. Ouais. Mais il a continué un petit peu. Intéressant. Voilà. Allez, petit point classement du coup, pendant que vous êtes en train d'essayer. En fait, Mudi et Jekyll sont pratiquement au même endroit. Pendant que vous êtes en train d'essayer donc d'avancer. Alors, ce qui est bien, c'est qu'à ce que je vois, quand on est en frame d'invulnérabilité, quand on se fait toucher, on traverse tous les sols de couleur. Le jeu est incroyable. Effectivement. Jolenou qui n'a pas encore mis son temps. Mais alors par contre le total n'est pas rangé, donc on va falloir qu'on trouve un petit peu de manière. Jolenou va mettre son temps. Alors, en tout cas on voit que Tifa était donc le premier à finir. Devant Mili, devant Jikin, devant... Ensuite après on attend le temps de Jolenou quand même. Qu'il n'y a pas de saut en l'air si on tourne une plateforme. Non, bah oui, non, et non, on ne perd même pas un saut, on perd tout et on peut pas relancer. Je trouve, bah oui, c'est comme ça. Ah bah ouais. Quand on dit que les développeurs ont fait les bons choix de gameplay quand ils ont fait Color Symphony 2. Alors voilà, le classement. Oh, le classement, trop bien. Quelqu'un l'a remis et tout, trop cool. Ah, ça, regardez cool. Cet ordre magnifique. Donc, Tifa devant Mulili, devant Jikin, devant Skunkov, devant Jolenou, devant Schlumpf et devant Moliman. Voilà, voici pour ce début. Classement temporaire. Pour ce début de classement sur ce premier jeu, est-ce que vous avez une idée du deuxième jeu qui pourrait être... Quel pourrait être le prochain jeu? Nous sommes dans les préquels sequels, il reste 3 jeux. De quel jeu pourrait-on avoir une suite ou une préquel? Alors, David Tiffin nous dit un Mickey. Mickey, ça me semble pas trop mal. Possible en tout cas. Qu'est-ce que ça va être? Je vous montre l'image. Il y a d'autres jeux. Hein. Alors, du jeu numéro 2. Dont l'anticipation est à son comble. Hop là, c'est parti. Ouh, mais on dirait bien que Tifa a mis dans le juste. Je pense qu'on doit pas en être très très loin. Nous avons un Mickey à gauche, une Mini à droite et un costume d'éboueur. Quel est donc ce costume? Qu'est-ce que ce serait donc ce... Le télégraphiste? Tiens, on sait pas, c'est... Il a un casque, il a une petite lampe sur le casque, ça veut dire qu'il doit aller dans des endroits. Il a un sac à dos, il a une clé à molette dans la main. Voilà. Ah bah, je vous laisserai découvrir, hein, puisqu'on aura tout à fait le temps. Donc là, c'est l'image jusqu'à où il va falloir arriver. J'ai peur que vous y arriviez beaucoup trop vite maintenant, puisque vous avez fait des temps incroyables sur la première, hein. Sur la première, mais c'est pas grave, hein, tant pis. Donc il s'agit de finir, c'est-à-dire qu'il faudra tuer le boss. Là, vous voyez, alors ce que vous voyez, c'est la tortue, le boss de la tortue, et Ouais. Vous voyez cette carapace bleue au milieu de l'écran. Alors c'est pas The Magical Quest 2 qui s'appelle, il s'appelle The Great Circus, starring Mickey Mouse and Minnie. Donc vous avez le choix de choisir Mickey ou Minnie au début du jeu. Vous verrez, spammez pas trop vite. Est-ce qu'on doit chercher son chien, mais à deux cette fois, ou alors c'est pour la promenade Je sais même pas l'histoire. Je ne connais pas l'histoire. D'ailleurs, si vous voulez jouer à deux, vous pouvez. Si vous avez quelqu'un à côté, vous pouvez jouer à deux. Ça peut être marrant. Voilà. Ça pourrait être le thème d'un prochain jeu fun, ça, les coops. Alors, il y a déjà eu des coops, mais c'est vrai que c'est pas évident, forcément. Aimer, il a une carapace bleue. Oui. Oh, elle est violette, la carapace. La carapace bleue, ça rappelle des traumatismes. Alors, je vais vous donner la ROM, effectivement, puisque ça c'est une ROM SNES classique. Pour le coup, on va pas se casser la tête. Je vous donne la ROM sur le Discord. Vous avez juste à la télécharger et à l'utiliser, tout simplement. Hein.
Rien de compliqué. Alors, peut-être que les gens puissent l'avoir. Ouais. Alors, elle est directement sur le Discord. Hein. Elle est directement sur la sur le race. Vous entrez dans la race et vous avez l'arène qui est la Rome. Bah, remarque, vous entrez dans l'arène aussi puisqu'on parle de Gold Circus. Donc, je vous laisse la configurer. Okay. Les boutons sont exactement les mêmes que dans The Magical Quest, donc pas besoin de configurer avant. Personne joue et comme ça, on joue tous en même temps. Comme ça, on teste rien. On teste rien du tout. Incroyable. Et donc c'est le boss du premier niveau, du deuxième niveau, du troisième niveau. C'est en easy, oui en easy évidemment, Muti. En fait c'est un easy. Non, mais en hard évidemment. Ah, on est en easy. qu'est-ce que tu disais? Pardon, j'étais concentré sur voilà, autre chose. Voilà, donc c'est le boss de quel niveau? C'est le boss du deuxième niveau. En gros, c'est le mi-boss du deuxième niveau. D'accord. Pour faire simple. Donc il y a deux boss avant du premier niveau, voilà, il y a des tout petits trucs, voilà. Vous allez voir un petit peu ce que ça va être. On se lance le clip et on revient juste après. J'ai fait attention de ne pas en lancer deux à la fois cette fois-ci, parce que c'est pas très très gentil. Et on se retrouve sur l'évolution, donc The Magical Quest, The Great Circus. Comme les Pokémon. Et donc nous revoilà, je vois qu'il y a une temps, alors il n'y a pas de temps limite, chez nous c'est toujours pareil, c'est le but c'est de battre le boss, alors temps limite, enfin on va dire que voilà, le dernier qui a terminé fait le temps limite, mais sinon bon c'est 15 minutes, ou 20 minutes, voilà, normalement il y a ouais, le temps voilà. À peu près d'y arriver. Bien ensemble, en fait, oui. Voilà, en gros le but c'est de tester vraiment les jeux, parce que bah, le gameplay forcément sont soit plus vieux, soit etc, et donc soit différent. Donc le but c'est de tester et pas forcément frustré avec du gameplay qui est parfois un petit peu bizarre. Donc mettez ready quand tout le monde est ready évidemment. Et voilà, je suis pas sûr que Great Circus ça ait marché sur Twitch là. J'ai essayé de mettre le truc à jour mais je ne suis pas 100% sûr. Bah je vois The Great Circus, hein, donc est-ce que The Great Circus correspond à Mickey The Great Circus? Est-ce qu'il y a-t-il un autre jeu qui s'appelle The Great Circus? On ne sait pas. Oh, on va aller voir, ouais, c'est beau. J'ai l'impression que tout le monde a l'air prêt, ça c'est cool. Alors il semblerait que The Great Circus Mystery, starring Mickey Mouse and Minnie, serait donc le titre du jeu. Ah, il y a Mystery, pardon, j'ai oublié. Je vais faire copier-coller des gens, vous êtes trop forts. Je vais faire copier-coller de vos trucs et on va voir si ça va marcher. Voilà, c'est ça. Voilà. Hop. Eh oui, voilà. Apparemment, The tout le monde a l'air ok. Mystery. Problème de bind 30 secondes, pas de soucis. On voit qu'on arrive en bus. Qu'on voit que tu vois qu'ils vont le cirque dans le fond et que personne ne descend du dessus. Déjà un premier mystère. Allez, tout le monde est prêt, on va y aller du coup. Let's go. Let's go. On va être parti avec donc nos premiers restreamés. Donc Molyman, Chikinin, je trouve que je le noue, hein, donc profitez bien. Et c'est parti. Voilà, alors on a le choix de choisir Mickey ou Minnie. Alors déjà, qui va choisir? Oh, il y a Minnie du côté de Jikin. Jikin qui a choisi Minnie. Jikin qui fait toujours des strats alternatives. Puisque le portugais, Minnie. Alors, est-ce que se déplacer en talon nous fait aller moins vite? Je n'ai pas l'impression. Je n'ai aucune idée. Alors, je ne sais pas du tout s'il y a une différence entre Mickey et Minnie. Je n'ai testé que Mickey personnellement. Donc, ouais, par contre, on a gardé les mécaniques de. Alors, le saut est différent par contre chez Minnie. C'est oui. Incroyable. Peut-être qu'elle est plus agile.
Mais Mini saute en fait comme saute un sauteur en longueur en fait, en élançant son buste et en repliant ses jambes pour aller le plus loin possible. C'est ça. Mini est donc beaucoup plus athlétique que Mickey. Comment on prend les objets de la même manière qu'on les prend d'habitude en fait? Ouais, mais je trouve que c'était pas Mickey. Normalement, le bouton marche correctement. C'est le même bouton que d'habitude. Ah, le premier boss du côté de Moliman, déjà. On va dire, ils sont rapides. Waouh, et on a aussi chez Jolenou et chez Jikin. Donc, on affronte cette espèce de clown jongleur de cracheur de feu. Ah non, Moliman, qui a un peu trop anticipé. Oh, Jolenou, il va se faire toucher. Alors, il faut savoir que. Alors, ils ne savent pas, mais on ne meurt pas réellement en fait dans le jeu. Quand on arrive à 0 PV, on reste au même endroit et on reprend juste 5 PV avec une vie en moins, c'est tout. Mais on ne meurt pas, on revient pas au début du niveau. D'accord, donc en fait les vies sont un peu en quelque sorte des sortes de réservoirs de cœur. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu comme Super Metroid. Donc vous pouvez allègrement utiliser vos PV. Par contre, Splumph, il a 3 PV. Je crois qu'il a pas choisi le mode facile. Ah oui, t'as pas choisi le bon boss. Je crois qu'il a choisi le mode medium ou hard, ouais, je ne sais pas. Ouais, mais du coup, ça, il va devoir mettre plus de dégâts au boss. C'est dommage. Aïe, aïe, aïe. Schumpf, les strats de ne pas regarder le menu avant de lancer le jeu pour Schumpf. Ah, il a essayé de redémarrer la run. Alors, profitez-en pour regarder les boutons, configurer les boutons dans le menu, hein, peut-être, hein, voilà. Donc déjà, easy, et tu vois les différents boutons. Ouais. Et voilà, donc Jolenou qui a fini ce boss, aussi Jikin qui a fini ce boss. Ils ont l'aspirateur, incroyable. Oh là là, l'aspirateur. Et on se déplace de la droite vers la gauche aussi, incroyable. Ça, il n'y avait pas dans le premier. Waskenkoff aussi qui essaie d'aspirer Donald, mais c'est pas sympa. Donc c'est Donald qui lui donne l'aspirateur, c'est ça? Totalement à gauche, ça me fait marrer, j'ai galéré, je savais pas où aller. Oh non, David Tifa! Oh, Tifa qui a choisi Mini aussi. Alors le déplacement des screens est très bizarre. Donc c'est normal d'avoir un peu peur, de se demander où on va. Et là, Waskenkoff se demande et en fait, il faut y aller juste. Voilà, d'accord. Si tu as l'impression que c'est par là qu'il faut aller, il faut y aller, même si ça te paraît bizarre. Oui, tout à fait. Alors attention. Ah, on a toujours ces espèces de. Ah, oh, c'est de la mort lancier. Du côté de Muidi. Aïe aïe aïe, Muidi. Qui a récupéré tous ses PV. Incroyable. Je suis femme et on me donne un aspirateur, c'est scandaleux. Oui, mais tu n'es pas obligé de jouer Mini, tu peux jouer Mickey. Mickey aussi. Ouais, bah, Mickey aussi a l'aspirateur. Oh non, Skunkoff. Déception. Ce saut incroyable de Skunkoff. Oh là 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 là. Cette espèce de mini clown. Alors remarque que l'aspirateur en fait les recrache vers l'arrière. Alors, l'aspirateur aspire les petits trucs. Oh, et ce lancier, enfin, cet homme canon qui s'est précipité sur Skunkoff là. Et donc le boss du premier monde donc chez David Tifa. Exactement, le boss du premier monde. Déjà au boss du premier monde. Donc, il va encore nous péter des scores. Hein, mais un voilà. Espèce de loup barbu. Je ne sais pas si c'est sa barre. Oui, c'est sa barre. Ouais, à peu près. Alors bon, hein, il non, est pas c'est si la crinière que ça. Du lion ou c'est le loup qui a piqué la crinière du lion. Alors je vais remettre le screen. Ah, c'est un lion. On voit chez Luigi, c'est un lion qui s'est échappé de sa cage. Pas en très fait, très gentil ça. Ah, en fait, en gros, voyons les choses comme elles le sont. Nous allons au cirque en balade, en couple. Et donc c'est le bordel, et c'est nous qui allons résoudre les problèmes du cirque parce que c'est le bordel, parce que les animaux s'échappent, parce que les Skunkoff, employés... Oh, Skunkoff, il avait 0 PV, terrible. Ah là 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 là. Mais il avait 0 PV plutôt. Ah, je sais pas trop où c'est il tragique. Reprend. Ah mais il reprend, bon, il reprend quand même... Il reprend l'aspirateur, il reprend juste ça avant. Va. Ouais, ça va, les game over ne sont pas trop punitifs. Voilà, pas encore. Donc voyage. Donc quand vous êtes en visite dans un cirque... Dites-vous bien que si jamais il y a le bordel, ça peut être aux visiteurs d'aller le régler. C'est ce que semble nous dire. Donc, on a le costume de l'aspirateur, on a le costume mini, on a le fantôme qui nous donne le costume. Alors, qui ressemble à un grappin, mais qui n'est pas un grappin. On va le voir sur Moliman qui va l'utiliser en premier, je pense. Mais qu'est-ce? C'est, ça permet d'accrocher juste les différentes, voilà, ah, les différentes choses. Ah, d'accord. C'est donc une tyrolienne. Peut-être, oui, peut-être, voilà, effectivement. Bon, voilà. Oh, Jikin qui a pris de l'élan avec la tyrolienne pour incroyable. S'envoler. Incroyable. Ça permet de s'accrocher au mur aussi. Un peu comme dans Skyblazer ou dans The Messenger. Oh oui, je vois ça, très pratique. C'est dommage qu'on n'ait pas cet outil dans le précédent Mickey. Dans le précédent, effectivement. Et ben vous y êtes déjà, en fait.
Eh ben voilà, les gens sont incroyables. Vous y êtes déjà. Donc, Moliman, il faut que tu battes cette tortue. Alors, la tortue est un poil relou. Un poil ? Ouais, un poil relou. Pourtant, les tortues n'ont pas de poils. Pourtant, les tortues n'ont pas de poils, mais là, avec ses zéro vie, il me fait un peu peur. Je sais pas s'il arrivera à la tuer avant la fin des. En ne perdant pas autant de PV, parce que là, voilà, le problème, c'est que. En tout cas, Jikin a la stratégie, apparemment. Hein. Ouais, il a reste compris qu'il fallait rester accroché. Intéressant. Mais à quel moment peut-on toucher cette tue ? Jolenou qui finit. On a. Voilà, stage clear. Ah, allez. Ah non, Jikin qui se fait toucher. Schumpf qui est au lion, qui lance sa crinière. C'est quand même incroyable, mesdames et messieurs. Donc il est triste, il éternue. En fait, c'est son éternuement nous fait des dégâts par cause de sa crinière. Effectivement. Donc sachez-le, le point faible des souris contre les lions, c'est la crinière du lion. Waouh. Et Schumpf qui meurt. Il s'est pris un dégât, attention Moliman. Oh, il a plus qu'un PV. Oh là là, il faut encore qu'il touche. Oh là là, ça va être chaud, ça va être tellement chaud. Le mieux, je pense, actuellement, c'est Jikin. Il a 3 PV, il a surtout 2 vies encore. Il a surtout touché, attention. Voilà, Moliman. Faut qu'il Moliman, touche. Non, il faut Moliman. Oh non, Moliman. Oh, Moliman, il perd, il va être game over. Mais où va-t-il recommencer? Eh ben, normalement, au début du niveau. Et Devil Tifa qui a terminé de son côté. GG Devil Tifa, Jikin qui continue à faire des dégâts sur sa tortue. Allez, Schpoumpf, vas-y, tue ce lion. Il est rouge, lion. Il en a plus longtemps. Non, faut pas se faire. Bon, il reste encore un PV. Allez, saute. Oui. Alors, c'est encore une vie, tu veux dire? Oui, bien, en profiter de l'invincibilité. Attention, la crinière du lion. Méfie-toi. Le lion ne s'associe pas avec le cafard. Non, il faut se tenir éloigné de sa crinière, il faut attendre qu'il te lance sa crinière. Normalement, même pas, il faut juste sauter simplement dessus lui. Ah bon, voilà, d'accord. Simplement, voilà. Bon, bah, comme il faut juste pas attendre les attaques. Non, j'ai pensé que la crinière devait avoir une espèce de super pouvoir d'invincibilité. Et je crois que Jikin a terminé aussi. Et Jikin a tout à fait terminé. Bah, vous pouvez aller jusqu'au boss du niveau, je sais même pas ce que c'est le boss du niveau, honnêtement. Donc, le temps c'est quand on le tue, c'est au moment de le tuer. C'est le moment, Jikin, de vous montrer la suite hein, de ce jeu passionnant. Non, tu peux pas sauter tout le temps, effectivement. Tu peux sauter que quand il lance pas d'attaque. C'est vrai. Je vais pas généraliser, mais... Voilà, donc profite. Donc on a ces fantômes jumeaux siamois qui nous donnent ce costume. Mickey même se demande ce que c'est comme costume. C'est de notre grande interrogation. Moi, je dis c'est un costume des boueurs. Alors tout le monde est sur le boss là pratiquement. Je sais pas s'il y en a qui vont continuer un petit peu plus loin. Bah Jikin continue, hein. Skrenkov vient de battre le boss, Mumudidi aussi vient de battre. Devil Tifa continue. Oulala, mais on peut avoir des gains de vitesse phénoménaux avec cette tyrolienne. Ouh, par contre, les ça allait en donner un petit peu de vitesse. Et c'est cool de l'avoir. Voilà. Donc, peut-être voilà. Il y en a qui vont arriver au boss final du coup. Le boss qui a final, terminé aussi, j'ai l'impression. Alors, les vapeurs de bois, je sais pas ce que c'est. C'est des remontées d'égout en fait. Je pense que c'est des remontées d'égout, fait... ah, oui, ça coince pas avec le costume des bois. Ah oui. Alors, tu vois qu'il essaie de crapiner pour refaire un saut là, à Stream Wardig là. Mais ouais. Ça n'a pas l'air super facile. Là, c'est la fameuse CDV Strat. Hein. Ça ne marche pas hyper bien. On va aller regarder du côté des mains. Où en sont-ils? Ils sont sur les boss et ils sont en train de continuer à essayer. Ah, Jolenou qui est décédé sur l'escargot. Le fameux escargot. Qui voilà. Alors que Schlumpf, lui, est donc sur le boss. Donc, ouais. Il va bientôt terminer. Par contre, 0 vie mais 5 PV. Ouais, 0 vie, pardon. Alors, est-ce que son expérience sur Another Perspective va lui permettre de surmonter cet obstacle? Pas évident. En tout cas, j'ai l'impression que Jolenou il a trouvé une sortie secrète. Ah ouais. Bien, allez, donc il récupère un cœur supplémentaire. C'est donc comme ça qu'on récupère les cœurs supplémentaires. C'est ça les Skyro qui rend fou alors? Oh là là. Donc, sachez-le, mesdames et messieurs. Oh, mais quelle stratégie de Jolenou qui profite de ses problèmes d'invulnérabilité pour passer les niveaux comme ça.
Il doit être au boss, le fameux Donkey Kong. Le fameux Donkey Kong, avec ouais. Zéro vie. Oui, effectivement, c'est un Kong. Avec une tenue de léopard, donc. Plus que 2 PV, attention, Jeki, nalala. Ah là là, mais là, il secoue l'arbre, attention. Il secoue l'arbre, c'est mauvais, tu ne peux pas t'accrocher à l'arbre, j'imagine, quand il secoue l'arbre. Oh, il est rouge, attention. Ah, il y a un PV d'un côté. Colère. Un PV et 0 vie surtout, c'est ça qui est un petit peu embêtant. Il va pas pouvoir Regarde, reprendre. Il est là-haut, on voit les feuilles. Oh, il est rouge, mais tu vas pouvoir sauter dessus. Oh là là, game over chez Jeki. Alors que Slumf qui a terminé. Voilà, donc tout le monde a terminé, tout simplement. Il a terminé. Des arbres qui pètent, exactement. Le boss. Il a battu le boss, incroyable. Incroyable, je déteste ce genre de jeu. Ah là là. Le jeu où il y a des changements, où il y a des plateformes. Bon. Ah bah c'est les jeux de plateforme, voilà. Il n'y aura pas que de ça ce soir, puisque vous avez peut-être une idée de ce qui va suivre. Voilà. En troisième jeu, on fait un petit point de classement avant de. Alors on a fait un... ça, c'est bien fait. Je sais pas. Alors que Jiki, franchement, Jiki, il y a la stratégie pour battre le boss là. Ah ouais, bon, on va regarder la fin du boss quand même. Ah ouais, voilà. Attention, là, il est dans son mode Sonic. Donc là, il est dans l'arbre. Il est dans l'arbre. On ne peut pas le toucher. Attention, va-t-il nous atterrir dessus? Va-t-il tomber amoureux de Mini? Eh, attention, c'est le moment. Oh non, il a le mode, ah allez, c'est Mighty Armadillo de Mega Man X. Attention, on l'a touché une fois, il est rouge, il est dans l'arbre, il va... Jolenou va pas être très loin, mais il a 0 vie je crois, il a un seul PV donc ça va être un peu compliqué. Ah mais il va peut-être y arriver, hein. Attention, il y a plus beaucoup de PV non plus de la part ouais, du boss. Ça va pas être évident. Ah il lui saute dessus. Oh non. Non, il a pas sauté dessus au bon timing. Bah on va voir chez Jiki, du coup on va se spoiler un petit peu qu'est-ce qu'il y a après ça. Qu'est-ce que c'est que ce costume? Après le costume des boeufs, on a le chien qui vient nous donner. Oh là là. Plutôt il est là et on récupère un costume de maître chien. De cow-boy. Ou de cougar en l'occurrence. Oh trop bien. Ah, incroyable. Allez, très bien, on va faire un point de classement du coup. Vous voyez que voilà, dans le manoir hanté, bon. Fantôme, etc. Le cheval de bois. Le fameux. Qui tire des projectiles avec son nez. Allez, oh. Point sur le classement. Donc, alors, Diltifa qui a remporté les deux jeux. Ouais. Mais incroyable. Cet homme est incroyable. Il a continué un petit peu forcément sur le boss, je pense qu'il va essayer de le terminer, le gros boss. Et donc voilà, Divitifa premier, il a remporté les deux jeux pour le moment. Jikin est deuxième, voilà, 37 Mimiki points, égalité avec Mimiki aussi. Voilà, Skunkov quatrième, petit bonhomme de chemin, et puis Jolenou, Moliman, Schlumpf. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a Skunkov et Jolenou qui sont constants dans la constance de Divitifa, parce qu'ils ont fait les mêmes scores sur les deux jeux. Bah c'est vrai que là on est dans la découverte, hein, donc c'est pas forcément le domaine de tout le monde, mais il y en a qui sont plutôt spécialisés facilement dans la découverte. Voilà, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, donc on a bien profité de ce Mickey. Mais quel va être le troisième jeu? Mesdames et messieurs, dans le chat, suspense. Quel va être le troisième jeu? Quel peut être le troisième jeu? Alors je suis là, je pense qu'on va rentrer dans les choses qui sont pas forcément facilement déductibles. Autant Colors of Folly 2, le 1, bon, voilà. Autant Mickey, etc. Bon, on sait qu'il y a une suite, on peut savoir qu'il y a des suites. Voilà. Et quels autres jeux? Quels autres jeux pourraient potentiellement avoir eu des suites? Nous avons 8 jeux. Alors accessible sur des consoles qu'on peut, hein. C'est-à-dire que voilà, on peut pas avoir la console de la nouvelle génération parce qu'on n'a pas l'émulateur. Mais voilà. Moi je Alors, sais qu'à Bubble pas... Ghost de Lilia. Non, Bubble Ghost n'a pas eu de suite. Et on a la réponse dans le chat. On a la réponse dans le chat. Et je vais vous montrer l'image. Je vais vous montrer l'image numéro 3. Voici l'image. Another Perspective a eu un préquel qui s'appelle Perspective. Et donc, que vous voyez là.
On voit déjà les spécialistes qui s'expriment dans le chat. Qui honnêtement mérite d'y jouer. Parce que vraiment c'est incroyable. Alors le jeu est... Je ne pense pas que vous puissiez jouer la manette déjà. Je vous donne déjà pas des bonnes idées. Mais je n'ai pas réussi à le faire fonctionner avec ma manette. Donc je pense qu'il ne fonctionne pas. Et en plus, joueur clavier, sachez que le saut et le swap sont inversés. Donc si vous êtes habitué à sauter avec espace, c'est l'inverse, ça va être le swap. Donc ouais, le jeu pour sauter donc est incroyable. Shift gauche pour le saut et espace pour le swap. Donc ça va être incroyable. Alors je vais vous donner un drive pour le télécharger. Le jeu, il est pas très lourd hein, pour le coup, je pense pas que je puisse vous le transmettre comme ça. Je vais créer la race. Est-ce que c'est aussi d'inverser les binds sur le clavier? Oh, si vous savez le faire, faites-le, mais alors là, je vous laisse faire à vos risques et périls. Hein. Faites comme vous le pouvez. Mais il y en a peut-être qui vont jouer à la manette en bindant avec X-Padder, hein, donc après, voilà, chacun son délire. Mais de toute vous allez voir que c'est pas le seul problème de ce jeu. Clairement. C'est pas le seul problème de ce jeu, donc. Hein. Bon, vous allez découvrir un petit peu. Donc on a on a certains spécialistes qui se délectent apparemment de ce jeu. Peut-être cela va-t-il leur permettre de refaire leur retard. Alors ce jeu, je vais vous le donner en point exe, il est pas disponible sur Steam. C'est un point exe. Par contre j'espère qu'il va marcher pour la plupart d'entre vous. Parce qu'il peut avoir quelques petits problèmes. Donc je vais vous donner le lien du drive. Et je vais vous laisser le télécharger. Alors il met un peu de temps à télécharger, je sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Il galère un petit peu mais il télécharge, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, il télécharge. Il télécharge, donc voilà. Je vais vous laisser le temps évidemment de le télécharger. Je vous conseille d'une fois que vous l'avez allumé, ne pas le fermer. Le jeu, si vous faites Alt F4, il se ferme pas, il se met en fenêtré. Je ne sais pas pourquoi. C'est les commandes alternatives, on dirait. C'est... voilà. Pas d'idée. Mais voilà. J'espère que ça va se passer au mieux, parce que c'est un peu le jeu où je suis pas sûr de comment ça va se passer. C'est pas un virus, non, c'est testé, Algérine. Ça a été testé. Algérine, tu veux t'inscrire sur ce troisième jeu? Profite-en. C'est gratuit. Oui, tout à fait, c'est gratuit. Non, Devil Tifa qui a fini pour niveau 3 déjà. Niveau 3 de Mickey. Et donc il va pouvoir les charger, donc perspective. Détesté et approuvé. Qu'est-ce qu'il y a détesté? Niveau 3 de Mickey. Oh là là. Bah si, il est approuvé. C'est bien. Oh non, peut-être c'est la run de... peut-être c'est une perspective. Alors, on va pas aller très loin. Hein. Cette salle, en fait, en gros, je l'ai appelée la salle avant la salle horrible du jeu. Parce que juste après cette salle, vous allez voir une salle qui est... Enfin, ou alors j'ai pas compris comment elle marchait. Mais je la trouve buggée au possible. Donc je ne l'ai pas sélectionné. Donc la run s'arrête assez tôt, mais vous allez voir, vu le gameplay, vaut mieux parce que vraiment c'est voilà. Vous allez voir qu'on va retrouver certaines choses que vous pouviez faire et certaines mécaniques qui existent. C'est un jeu clavier only, oui, Devil Tifa. À part si tu as X-Padder évidemment pour mettre tout ça. Mais voilà. Les touches 2 c'est Shift pour le saut, c'est Maj pour le swap, et c'est les flèches évidemment pour bouger comme d'habitude. Et la flèche du haut pour choisir les portes, ça n'a pas bougé. Voilà. Je sais pas si... je pense que vous êtes en train... Shift et Maj... Non, Shift, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Espace pour le swap, pardon, de personnage, et Shift ou Maj du coup pour le saut. Voilà. D'ailleurs, pour ceux qui vont Windows, vous allez avoir une petite fenêtre qui va apparaître sur le côté, parce qu'à un moment donné, il faudra spammer Shift, et vous allez avoir une petite image en mode « Pourquoi tu spammes Shift? Est-ce que tu veux que je mette ça Ah oui, désactiver les touches rémanentes, désactiver les touches rémanentes. Il m'est arrivé une mésaventure lors d'une race. C'est très très drôle. Sur Another Perspective, d'ailleurs, où j'ai spammé un peu plus que d'habitude, et ma race a été interrompue plusieurs fois. Pour justement, voulez-vous activer les touches rémanentes? Donc, désactiver les touches rémanentes. Alors, sans les activer, il n'y en aura pas trop besoin, mais bon, voilà. Sachez que ça peut arriver. De toute façon, vous appuyez pas sur Entrée, donc dans tous les cas, ça fera rien.
Mais voilà, on va se faire un petit clip et je résous les problèmes s'il y en a effectivement. Et après, on y go. Le clip, incroyable. Allez, petit clip d'Another Perspective et puis après, l'avant Another Perspective. Salut. Et nous revoilà du coup pour ce perspective. Voilà, donc pas cette autre perspective. Retenez bien cette salle, donc c'est la salle où vous devez arriver pour valider le run. Alors normalement le jeu, normalement il y a des binds de manette qui arrivent. Et théoriquement on peut lancer avec la manette, mais moi j'y suis pas arrivé. Bon apparemment il y en a, ça marche très bien d'ailleurs, tant mieux. S'il y a des gens chez qui ça marche, profitez-en. Ouais, ne soyez pas finis, voilà. Faites partager aux petits copains. Alors ça ne change pas grand chose parce qu'il n'y a pas une exé énorme sur ce qu'on va vous montrer. Par contre, vous allez voir qu'il y a des trucs qui sont très bizarres dans le jeu. Voilà. Vous allez comprendre très très vite ce qui va vous arriver. Pour le jeu. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Ah si, Shroof sait qu'il attend, même s'il n'a pas fait le jeu. Et il n'a pas fait le jeu, mais c'est vrai que, bon, bah voilà, c'était une légende, maintenant vous le savez. C'est une légende. Mais donc ce n'est plus une légende. C'est bien, mesdames et messieurs. Rejoindre la race. Avant le monstre du Loch Ness a émergé de son lac et nous montre sa tête sur le chat, sur le stream de l'UD. Voilà. Alors, est-ce que tout le monde a réussi? Si vous n'y arrivez pas, dites-le moi. Alors, il y a encore des gens qui sont pas prêts, hein, on va voir. Hein. Voilà. Déjà. Alors, et tout le monde n'a pas l'air d'avoir d'être là aussi, je sais pas. Alors, Moniman. Par contre, Moniman, j'ai rien affiché, je ne vois rien. Donc, voilà. Qui nous manque-t-il? Il y a Skunkoff. Ah si, voilà, Skunkoff est là. Parfait, donc tout le monde est là. Alors, Mudi, en plus, je n'ai rien non plus. Et Jikin, je n'ai rien. Ah. Voilà, après, bon, c'est un test, évidemment. C'est un test. Voilà. C'est une... Il peut y avoir des failles, hein, malheureusement, là-dessus. On part un petit peu en inconnu. Et puis, en plus, ça, c'est des jeux qui sont plus jeunes. Enfin, plus vieux, pardon. Donc, forcément, moins prêts. Que les autres. Donc, voilà. Voilà. Mais ça va être cool quand même de tester un petit peu, ça va pas prendre trop longtemps, vous allez voir. Vous allez très vite arriver à cette fameuse salle. Et j'espère qu'il y en a qui essayeront la salle d'après pour voir un petit peu s'ils s'en sortent. Ça... Bah déjà, on va voir quels seront les spécialistes qui arriveront le plus vite à cette salle. Hein. Je pense qu'on va peut-être avoir des surprises. Est-ce qu'on est bon du coup au niveau tout ça? Skunkoff, c'est bon. Moniman. Voilà, Muge c'est bon, Moniman j'ai rien, Jikin peut-être qu'il peut pas lancer. Ah, alors, oui, faut finir la salle. Faut finir cette salle, oui. Voilà. Oui, il faut finir l'écran, évidemment. Il faut finir l'écran. C'est la salle d'après que vous allez voir. De toute façon, vous allez reconnaître la salle d'après, vous allez voir, vous allez dire what the fuck, qu'est-ce que c'est que cette salle? C'est WTF. Tout le monde a l'air. Tout le monde a l'air prêt, donc tout le monde doit être dans le menu. Nous attendons de. Maintenant que nous avons vu cette image.
Il va regarder. Mais regarde aussi. Mesdames et messieurs. Est-ce qu'on peut faire des ES? Je vous laisse tester. Je vous laisse tester. C'est... Là, je ne dis rien. Je ne spoil rien. C'est une partie des surprises. Hein. Je ne spoil rien. Est-ce que les ES, c'est une mécanique qui est arrivée dans la suite? Est-ce que c'était prévu dès le début? Ou plutôt, est-ce que ce n'était pas prévu dès le début? Parce que le ES est un bug. Donc un glitch. Donc est-ce que les mêmes glitchs se retrouvent aux mêmes endroits? Bonne question. Moniman, par contre, j'ai pas. Alors, bon, je vais juste swapper. Hein, de toute façon, on va regarder un petit peu. Hop, 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 le chrono. On lance pas le chrono de suite. Moniman, voilà, on n'a pas le jeu, mais c'est pas grave. Après, à la limite, c'est pas très grave. Voilà. On a Schlumpf, Jolenou, Jikin déjà qui nous montre ce menu. New game, continue or quit. Et donc, il nous restera un jeu. Il faudra deviner quel est le dernier jeu après. Mais chaque chose en son temps, déjà d'abord finir celui-là. Et d'abord finir celui-là, évidemment. Et étrange, je stream pourtant. Alors je vais relancer, Peut-être c'est ma faute. Peut-être que c'est ma faute et que du coup je relance pour essayer de l'avoir. Ah bah oui, voilà. Bah c'était ma... Enfin, c'est ma faute. Ah, pas bah, forcément voilà, ma faute, voilà, mais... Voilà. Alors, Jekyll, c'était la faute du logiciel. Lance déjà le jeu, tu vois, Jekyll lance déjà le jeu. Allez. Eh ben écoutez, on va force start. Maintenant que tout le monde est ready. Voilà. Et on va y aller. Voilà. Dans ce petit jeu. Jikim qui a dû se tromper un peu quelque part. Alors, là, c'est parti. Et là, le jeu commence. Donc, on cherche quelque chose. On cherche depuis longtemps, mais on ne se rappelle plus exactement ce qu'on recherche. Mais on a trouvé des portes. Oui, des portes incroyables. Beaucoup de portes. Et à travers ces portes, je trouverai ce que je cherche. Donc, on voit déjà que les déplacements n'ont pas l'air tout à fait pareil. Alors, mais c'est une autre porte. Est-ce que je suis devenu piégé en y pensant? Je ne suis pas sûr. Mais attends, cette chambre va... Oh, il y a une clé! On adore les clés. Hein. Cette clé m'appelle, elle brille dans le noir. Oh là là. Alors, il y a énormément plus de dialogue que la version de Another Perspective. Je ne peux plus faire demi-tour. Oh, la chute! Oh, la MTK chute. Du côté de Schlumpf. Merci Schlumpf de me rendre hommage de cette manière-là. J'apprécie grandement ton hommage Schlumpf. Sache-le, j'en ferai pas. Voilà. Alors les sons sont bizarres. Oui, il faut quand même. Par rapport au dialogue, c'est surtout que les dialogues ne sont pas tués pendant le moment où on joue, en fait. Là est la grande différence. Alors, est-ce qu'on. Oui, oh. On voit aussi qu'il y a des. On voit déjà que les temps de maniabilité ne sont pas pareils. Les hitbox ont l'air capricieuses. En fait, ouais, le saut, en fait, il faut le faire beaucoup plus. Beaucoup plus avant la plateforme, et on a beaucoup moins cette marge qu'on a dans Another Perspective, et dans beaucoup de jeux de plateforme en soi, et du coup on a très très peu de marge, et le saut se fait très très tard. Enfin, doit se faire très tôt pour se réussir. Et le saut retombe très très vite aussi, j'ai l'impression. Assez, oui. Voilà. Oh, j'en ai nous, non, trop bas. C'est terrible. Voilà, ah là là, Jolenou, donc faut sauter au bon moment. Et donc voilà. Ah, normalement, on a la hauteur suffisante là, hein. Jolenou, c'est juste qu'il faut bien réussir. Voilà, il faut bien faire en fait, il faut bien faire. Se mettre à peu près au sein du personnage, aller un peu à droite et sauter juste après. Parce que sinon, alors là, on c'est. Voit quand même. Sinon, priori, ça glisse. Il faut qu'on sacrifie des petits personnages a priori. Oui, effectivement. Oui. Alors, les énigmes sont assez simples, hein. Vous verrez, pour le coup, je vous ai pas embêté avec les énigmes. Mais, profitons-en. Mais voilà, faut s'habituer au gameplay et ça c'est pas forcément déjà évident. Mais on voit quand même que Schlumpf a déjà l'habitude du jeu puisqu'il sait comment résoudre les énigmes assez rapidement en fait. Allez, petit tour. Hein. Côté backup. Voilà, donc que nous montre Tifa, Skunkoff et Mumidili. Alors Mumidili dans cette salle de la Dilt qui a l'air pas mal avancé. Askunkov qui est au même endroit que Tifa, donc chercher la clé et revenir. Ah, trop bas, monsieur. Oui, un peu bas. Ouais. Monsieur Koff, c'est bien trop bas. Voilà. Ah, David Tifa, cette salle, donc on a un ascenseur, donc voilà. On doit monter. Mumidili qui est dans cette salle où il faut sacrifier des petits personnages que laisser dans le lieu. Donc on essaie de faire. On n'est pas sûr de la longueur, et la longueur n'est pas bonne hein, chez David Tifa. Attention,
Ouais. Donc on a bien timé, maintenant on devrait pouvoir atterrir sur le personnage et atterrir dans la porte chez Devil Tifa. Ouais, très bien. Oh, mais dis donc, les salles deviennent un peu complexes. On a un mur de portes, de clés disparaissant, de blocs disparaissants. Et on va essayer de... les fameux. Voilà, c'est ça. Et mais Tifa a très bien positionné ses petits personnages pour se créer un espèce de pont d'âme. Il pense qu'il devient plus proche ou il devient plus profond. Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment plus de dialogue, parce qu'il y a quand même beaucoup de dialogue dans la version originale, c'est juste qu'on n'a pas l'occasion de les voir. Par contre, là, Devil Tifa est... Ah, il y a tout dommage. Bon, on ne peut passer la porte. Oh, bien. Ah non, dommage. Oh, si, les cheveux... On peut passer la porte en l'air, normalement. Non. Il est en train de faire un vest, la Mudi, ou... Si, dans ce jeu-là, on peut passer la porte en l'air. Je pense qu'il faut les pieds poser quelque chose. Par contre, t'as pas besoin d'avoir les pieds au niveau de la porte. Je pense que c'est plutôt ça. En fait. Ouh, la chute. Et là, Devil Tifa qui va bientôt arriver à la fin. Normalement. Devil Tifa qui va encore nous faire une performance d'exception. Alors, par contre, il faut trouver comment résoudre cette salle. Alors, je vous l'ai montré un petit peu à l'avance, donc vous pouvez essayer de comprendre un petit peu ce qu'il faut faire. Il y a à peu près une idée de ce qu'il faut faire, mais. Alors, il y a la strat, on va dire simple. Et la strat, voilà. Si vous savez des choses sur une deuxième perspective, il y en a qui peuvent être faites ici. Ah oui, mais là. J'aurais pas fait comme ça! Bien joué! Et Devil Tifa qui finit en 4 minutes 40. J'aurais pas fait comme ça, mais effectivement, Devil Tifa a fait comme ça. Ouais, mais c'est la bonne option. Hein. Tifa a fait selon moi la bonne option. Skunkov qui lui arrive. Oula, peut-être un peu bas là la dernière. Skunkov. Par contre, voilà. Il n'a pas eu l'idée, il n'a pas l'expérience de jeu de Tifa. Alors, par contre, je vais essayer de voir ce qui est possible après. À faire après. Ah, bien joué Skunkov! Bien joué Skunkov! C'était 5-3-2, il faut que j'enlève à chaque fois. Aussi a fini, Schlumpf arrive, donc Schlumpf, malgré sa connaissance dans les autres perspectives, n'a pas réussi à passer. Donc Schlumpf, lui, essaie en fait faire la stratégie de « je jette mes personnages dans le vide et j'essaie de déclencher le swap au bon moment ». Ça me paraît pas forcément la bonne stratégie. Je pense que la stratégie de Skunkov était la plus efficace. Oh, je l'ai nous... Ah, je l'ai nous cette chute de... infinie. Il faut bien bloquer son. Pas mal. Non, et là, juste en fait, c'est bien ça. Faut vraiment être. Oh non, monsieur Schlump, il faut sauter. Moi je pense, mais il faudrait que j'essaye, mais je pense que t'es quand même obligé d'avoir les pieds posés sur quelque chose pour pouvoir déclencher les. J'avais l'impression en tout cas, vu que. C'était déjà le cas dans Another Perspective. Hitbox en fait est assez généreuse dans le sens où. Les cheveux s'accoutent comme le disait Fraps dans un de ses modes. Donc, il suffit que les cheveux touchent la porte pour pouvoir passer la porte. Ah oui. Donc on peut avoir les pieds au sol, mais juste les cheveux passent la porte et on peut passer la porte par les cheveux. Voilà. Jekina qui a bien réussi. Ah, Schlumpf, il a l'air d'avoir un pattern pas trop dégueu. Ouais, mais c'est pas forcément l'optimal pour moi. Mais là, il est un peu redescendu. Allez, c'est bien. Maintenant, il va falloir ne pas tomber, monsieur Schlumpf. Vous prendre la clé. Attention, Schlumpf, attention. Ah non, il est tombé! Aïe, 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 aïe. Schlumpf, t'arrives pas à résoudre cette salle. Pourtant, c'est le grand spécialiste ici-bas de Another Perspective. On va faire un petit tour. Il y en a qui essayent dans les backups de réussir cette. On voit cette salle un peu bizarre. Cette salle, et apparemment, ça a l'air pas trop mal côté Skunkov. Il a l'air sortir. Non. Ah, c'est terrible. Est-ce qu'il va pouvoir remonter? Ah, il va peut-être pouvoir remonter. Oh, elle est horrible. Cette salle est horrible. Je vous assure qu'elle est horrible, honnêtement. Et Devil Tifa qui s'en est sorti, lui. Il a réussi sans problème. Là, on a les énigmes classiques. Par contre, dommage. C'est bloqué dans son personnage. Oh, donc, c'est réussi du côté de Skunkov. Bravo, bien joué. Comme Tifa, ils vont comme lui, Didi, lui a l'air un peu de galère. Vous avez mis du temps sur la salle puisque c'était bien après, mais vous êtes arrivé, bravo. Voilà, GG. Je me rappelle avoir galéré sur cette salle, mais vous êtes plus fort. Point faible, trop fort, j'ai envie de dire. Il y a Skunkov qui continue. On a cette salle où un des bugs qui apparaissent, disparaissent à volonté. Qu'est-ce qu'on veut faire? Que veut-on faire? Allez, Qui suis-je, où vais-je, que vais-je? Que fais-je? Que vaille. Cette salle est horrible aussi. Celle qui est en train de faire actuellement un Tifa.
Elle ouais, est ouais, ouais, ouais. Horrible. Mais surtout qu'en fait, là, tu peux pas monter. Donc, il faut que tu ramènes l'autre personnage. Ah non, quoi que là, tu peux monter. Non, c'est pas celle-là. C'est une autre salle, ah, je pense. Ah, que... bien joué. C'est pas celle-là. Ah, celle-là, elle est relou, mais ça va, ça passe. Il y a plusieurs strates là-dessus. Et Jikin, Joenou et Shpouf qui se battent pour la place, là. Actuellement, on va faire un petit... Un petit point sur ceux qui n'ont pas fini le jeu. Hein, mais ils sont à la dernière salle et ils se battent toujours pour essayer de passer cette salle. Comme quoi, ben, c'était peut-être pas celle d'après qui était russe, c'est celle d'avant. Attention, Shpouf, c'est peut-être un peu espacé entre les deux personnages. Oh, Jikin, c'est pareil, trop espacé. Voilà. Oh non, Joenou. C'est horrible. C'est pareil, c'est espacé. Alors que, on avait vu pourtant, il y a une stratégie plus simple qui nous avait été proposée par Skunkoff. J'ai pas vu ce qu'il a fait, Skunkoff, au final. Qu'est-ce alors, qu'il a Skunkoff fait en fait, ce qu'il a... Alors, je pense que je peux me permettre de révéler l'astuce oui. de Skunkoff au centre. Il avait mis un personnage, il y a un de ces personnages qu'il avait mis au milieu, là, en tombant. Il l'avait bloqué au milieu, à peu près, au milieu de la salle. Et donc, ensuite... Ah, à gauche et à droite, c'est ça il a sauté avec un personnage, il a sauté à droite pour attraper la clé. Ah. Et avec l'autre, il a sauté directement dans la porte. Pas bête. Pas bête. Mais voilà, bon là maintenant je Pense que t'as spoilé. Ah, oh, Jikin a terminé. Je pense que s'ils nous écoutent, il y en a qui vont utiliser cette strat. Ah ouais, allez, bah voilà, jouez-nous. Shroomf qui l'attente donc. Ah non, trop loin. Après, ah, pas trop loin, bien il saute trop tard en fait, surtout Shroomf. Hein. Il saute un peu trop tard avec son petit perso. Ah voilà, ça pas mal ça. Ben, ah, en voilà, fait, il a même pas besoin d'aller, il va directement en fait. Il a tombé dans la porte. Et voilà. C'est réussi du côté de Joenou juste après. L'a fait aussi. Et voilà, chez Joenou c'est bon, c'est passé. Eh ben bien joué. Bien joué. Donc, mesdames et messieurs, avec l'aide des commentateurs, vous avez pu finir le jeu en 10 minutes. Exactement. Et je vois, tiens, chez Devil Tifa, il y a la fameuse salle, c'est celle-là dont je parlais, qui est pas géniale. Il faut faire déplacer les personnages d'une certaine manière. Et celle-là, et elle est plutôt longue. Que d'une certaine manière. Ah ouais, mais ça c'est le genre de salle qu'on peut retrouver dans les modes tournoi proposés par Rabzetsu et Blue. Et donc en fait, on rappelle que Rabzetsu réalise régulièrement des tournois sur ce jeu. Il sera d'ailleurs un plaisir de vous inviter lorsqu'il va en faire un. Hein. Je pense que vous allez en entendre parler. Et donc on a assez régulièrement des énigmes de ce style. Ah. Il n'avait pas les commentaires en fond, en plus Joenou, incroyable. Genius. Ça te dégoûte, j'ai eu l'idée 10 secondes avant que vous la donniez. Dommage. Ah là 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 là. Allez, petit point classement du coup. On va vous laisser le crédit de Zitrouvaille. Vous fait Joenou. Petit point classement ici. Il nous manque le score. Oh, tiens, il y a un score qui a été déplacé du côté de Devil Tifa. Ouais, c'est bizarre, ça, Tifa qui est pourtant terminé premier. Il a je pense qu'il y a un score qui a été déplacé, il faut le remettre, le score de la son première score run. A été effacé, voilà. Alors, ça va être remis. Encore une fois, j'avais eu l'idée quand Mu nous a dit qu'on est stupide en vocal. Hein. Alors, faut toujours bien penser à ça, d'ailleurs, dans Another Perspective. Mais vous connaissez la rare d'Another Perspective maintenant, mais il faut bien penser à ça. Et il y a vraiment des moments où les portes sont visibles par tous les personnages. Ce n'est pas le personnage qui prend la clé, qui est obligé de prendre la porte. Voilà. Bon, bah, David Tifa qui est encore une fois allé trop vite. Ah, Shroomf, qui malheureusement va nous quitter. Donc, il ne pourra pas faire le dernier jeu. Donc, ce n'est pas grave, Shroomf. On te remercie de ta participation, on te remercie de l'hommage que tu m'as fait d'ailleurs dans la salle dans les où les premiers trous arrivent, où tu nous fais une mort. Voilà. Il n'y a pas que lui, hein, mais c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui sont morts là. C'était marrant. Je pense que c'est une espèce de satisfaction de voir que Shroomf me fait cet hommage. Les pires mécaniques du jeu. Ouais. La suite de Bubble Ghost maintenant, la suite de quoi? Eh ben, alors, petit classement, hein, David Tifa qui a fait 3 fois 25, 75 points. Le podium là derrière, Mumu, Jikin et Skunkoff se tiennent en 5 points. Oniman est un petit voilà. peu plus loin, 41 points. Et puis Joenou, donc je trouve pour qu'il nous quitte qui sera dernier, mais bon, c'est anecdotique maintenant. Alors, le prochain jeu. Le prochain jeu, il y a certains qui le connaissent. Parce que c'est de là qu'est partie l'idée de ce tournoi fun. Et je vais vous montrer une image de l'endroit où vous devrez arriver.
Alors effectivement, puisqu'on a déjà eu je vous quelque part ça dans le chat, on a de suite. Peut-être déjà eu la réponse. Il y a déjà eu une idée, un semblant de réponse, mais de toute façon vous allez le voir. En le voyant maintenant, c'est le jeu de course de l'UD. Non, c'est pas Tetris. Ah, c'est pas loin, mais on reconnaît Deathwind, mon dieu. Alors qu'est-ce que c'est? Donc le paysage du Deathwind. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, écoutez, c'est BSF02. Qu'est-ce que c'est? C'est de la photo de Skunkov, effectivement. Je vous laisse rejoindre la race qui est en cours et on va vous parler de BSF02. Donc c'est F-Zero, évidemment, c'est la suite qui est sortie sur Super Famicom, mais qui est sortie surtout sur la Satellaview. La Satellaview, pour ceux qui ne le sachaient pas... Je te laisse faire le point histoire. Voilà, alors la Famicom, elle est sortie au Japon, la Famicom et la Super Famicom ont eu différents add-ons, notamment un add-on pour télécharger des jeux sur Internet. Et donc la Satellaview, c'était ce qui nous permettait de télécharger des jeux sur Internet, sur sa Super Famicom. Donc voilà, c'est malheureusement quelque chose que nous en Europe, en Occident, nous n'avons pas eu le droit d'avoir. Peut-être un symbole pour un bien, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup de jeux qui ont été proposés. Le service a d'ailleurs duré assez longtemps après la fin de la Super NES. Donc voilà. C'était ça. Alors, je vous ai passé... D'ailleurs, ouais, vas-y, pardon. Pour le point anecdote, un autre add-on de la Super Famicom qui aurait dû aussi sortir en Europe, c'est à l'époque où le grand concurrent de Nintendo avait sorti le Mega CD. Nintendo s'est dit, et si on allait proposer des jeux sur CD, nous aussi? Donc ils ont contacté Sony pour faire un add-on CD-ROM pour la PlayStation, pour la Super NES, appelé le PlayStation. Mais comme ils ont vu que le Mega CD ne marchait pas du tout pour la Mega Drive, ils ont dit « Ah, bah finalement, on laisse tomber ». Ils ont annulé l'accord avec Sony. Sony, qui était déjà bien engagé dans le projet, a dit « Ah, on va continuer de notre côté ». Et ça voilà l'histoire de la PlayStation. Effectivement, la PlayStation. Oui, c'est vrai que ça existe. Ça existe d'ailleurs, la Nintendo PlayStation, elle existe. Elle a été vendue récemment aux enchères. Le prototype a été vendu aux enchères récemment pour une somme assez délirante. Alors, il faut savoir, par contre, là, je vais ramener à la réalité. Il n'y a qu'un seul grand prix là-dedans. On va faire la Ace League. Celle-là, cette course que vous voyez, c'est la quatrième course. Ça ne marche pas sur Bizox, ça ne marche pas sur SNES FX 1.60, ça marche que sur SNES FX 1.53. Donc il faut que... je vais être chiant pour le coup, Digitify effectivement. Le seul émulateur par lequel ça marche, c'est la SNES MX 1.53. Il se trouve sur un... Je pense que je peux vous donner un lien de où le trouver. Il était de toute façon disponible dans le pack UD. Donc vous devez l'avoir dans le pack UD, le SNES MX 1.53, dans tous les cas. Mais il ne marche que sur celui-là. Voilà. Voilà, c'est le côté un petit peu relou, mais sinon vous allez voir, le jeu est vraiment cool, honnêtement. Personnellement, au bout de 10 minutes, je suis arrivé à la quatrième course. Peut-être qu'on va... Enfin, vous décidez. En gros, est-ce qu'on arrive à la fin du jeu, ou est-ce qu'on s'arrête à la quatrième course? Comme vous voulez, pour la fin du timer. C'est comme vous le souhaitez. Ou alors, on arrête le timer quand on arrive dans le dernier tour de la quatrième course, comme sur l'image. Bah alors là, c'est la fin de la quatrième course, là. C'est pour ça que je le montre. Voilà, il y a une cinquième course évidemment, comme toutes les courses de ce jeu. Donc voilà. Dans tous les cas, je vous laisserai finir évidemment la dernière course si vous souhaitez la faire. Mais c'était plus pour raccrocher le côté des 10 minutes. C'est ça, voilà. Mais vous allez voir le jeu. Donc on va peut-être laisser ça et puis voilà, on laissera faire la cinquième course. Oui. Pardon. Est-ce que le jeu est différent donc par rapport à F-Zero? Alors qu'est-ce qu'il a de différent? Il n'y a qu'une ligue effectivement. Il y a des maps supplémentaires. Là, celle-là, c'est ce que vous voyez, c'est la Silence 2. Il y a des bolides qui sont différents, qui ne marchent pas pareil. Et comme l'a dit Skunkov, je vous conseille fortement de prendre la bleue. Si vous tenez à prendre la rose, prenez la rose. Mais la rose a beaucoup moins d'avantages sur la bleue dans cette truc, puisque la bleue, elle glisse toujours autant, ça c'est vrai. Mais par contre, elle accélère beaucoup plus facilement que dans le F-Zero du premier du nom. Et en plus, la rose, quand on connaît pas, vaut mieux prendre la bleue que la rose en général, les circuits. Quand on connaît pas les circuits. Donc voilà, après c'est vous qui voyez. Je vous conseille la bleue, vous faites comme vous voulez si vous testez la rose ou les autres d'ailleurs. Alors les autres apparemment sont pourris. Le Wikipédia il a dit la jaune elle est ultra pourrave,
Non, alors vert, je crois, est ultra pourrave. Et jaune est ultra pourrave. Et la jaune, je ne sais plus le commentaire. Mais en tout cas, je sais qu'il y en a une des deux. Elle est pourrave de chez pourrave. Et en tout cas, il ne faut pas les prendre. Et vous pourrez même. Vous avez le choix entre la bleue ou la rose. Mais choisissez la bleue. Ce sera plus maniable. Donc, ça, c'est le cas. Et il y a même. Comment vous dire ? Il y a même un peu. On peut se faire pousser au départ aussi. On peut même faire comme ça. Voilà, donc on attend évidemment que vous soyez prêts. Ace League en beginner, effectivement, des Vitifa. Il y a de toute façon que ça disponible. Alors, si vous voulez prendre autre chose que des beginners, vous prenez autre chose que beginner. Hein, ça, c'est évidemment votre choix. Ah, ça, c'est éventuellement pour les prostrates, hein, si on veut finir deuxième de la course. Et voilà, donc terminer la dernière course. Vous voyez, bon, bah, là, c'est sur le screen. Hein, vous terminez la dernière course. Voilà. En quatrième ou pas, d'ailleurs, en fait, comme vous voulez. Mais il faut terminer la dernière course. C'est ça le timer de fin. C'est la fin de la dernière course. Voilà, j'attends que tout le monde soit ready. La fin de la quatrième course, tu veux dire? Oui, la fin de la quatrième course. Voilà, donc pas la cinquième, la quatrième. Oui, voilà, ça sera silence 2, la dernière. On se lance le clip et on voit juste après, du coup? On se lance le clip et on voit juste après. A tout de suite! Et nous revoilà. Transition, évidemment. Avec cette magnifique remarque de David Tifa. Prenez le capitaine, fais pas le con. Alors, petit conseil que je vous donne. Faites attention, la première map... Alors, c'est toujours pareil, je sais pas pourquoi. La première map d'un F-Zero, dans celui-là, vous risquez de vous cracher. Vous allez voir pourquoi. C'est probable. Voilà, je vous le dis, c'est probable. La map est un. Alors, n'hésitez pas à regarder les maps en bas à gauche d'ailleurs pour voir un petit peu comment les maps sont foutues. Mais c'est. Ça peut aider, ça peut aider. C'est assez intéressant. Est-ce qu'on est prêt du côté de tous les runners ou pas? On va faire le point. Il manque Jikin et on est bon. Ouais, il manque Jikin. Rappelle-toi, Shroomf ne fait plus partie de. Oui, Shroomf ne fait plus partie. Il faut que je l'enlève de ma sélection. Voilà. Donc, Shroomf qui, quand même, sera battu honorablement. Hein. Toujours. Ouais. Toujours se battre honorablement. Je n'ai pas, par contre, je n'ai pas Skunkov, par contre. C'est peut-être ma faute, encore une fois, hein, mais... Ah là là. Je vais rafraîchir avant de dire des bêtises. Et parfois, je perds votre stream. Ah, la perte. La perte terrible. Du joueur français, terrible. Oh. Il faut garder... Ah non, attends, nous dit Skunkov. C'est-à-dire que l'erreur viendra de lui? Peut-être, je ne sais alors, pas. Alors, Kontos était en train de paniquer, de dire, mince, qu'ai-je fait? Pourquoi n'ai-je pas le stream de Kontos? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis l'erreur viendrait-elle de Skunkov? Oh là là. C'est pas très grave, évidemment. Voilà. Si. Eh bien, tu as raison de t'excuser, Skunkov, parce que tu te rends pas compte de la panique que tu as fait à notre pauvre Kontos qui réalise ce soir. Là, tu l'as mis dans tous ses états, le pauvre. Il était en train de trembler sur son clavier. Voilà. Pas loin, oui, effectivement. Pas loin. Alors, on va attendre. On va attendre de savoir, du coup, si on a des news. Du côté de alors, Jikin. Jikin, 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 est prêt? A-t-on des nouvelles de Jikin?
Jikin n'est encore pas prêt. Pourquoi est-ce que Jikin n'est pas prêt? A-t-il peut-être réussi à charger le jeu? A-t-il le bon émulateur? Ah, c'est bon, ça marche. Ah, très bien. Ok, parfait. C'est vrai que j'ai complètement oublié, mais... Jikin, on a réussi à trouver des... Trop bien. On a réussi à trouver des solutions à tous les jeux. Trop cool. Alors, je n'arrive pas à avoir de manette, ça va être chaud de jouer au clavier. Ah. Bon, ben... Solution, joue au clavier. Ah, désolé. Joue au clavier, hein. Voilà. Je sais pas trop quoi dire. Bon, après, voilà, c'est un test, évidemment, mais pourquoi pas. Voilà, mais sinon, ça se profite. Alors, sinon, faites comme moi, allez récupérer une manette de Super Nintendo, mettez un adaptateur manette de Super Nintendo pour le PC, et jouez à la manette de Super Nintendo. Ouais, c'est horrible, évident. Mais au moins, vous avez les sensations d'époque. Sensations d'époque, les fameuses. Les fameuses d'époque. Donc là, on fera et une si course chaque heure entre les deux. Si vous voulez la manette de la Super Nintendo, rappelez-vous les prostrates des joueurs de Mario Kart, de Super Mario Kart. Il s'agit de limer la manette de la Super Nintendo. Ah mince, plus ready. Pris. Ah mince, plus ready. J'allais mettre le force start et c'est plus ready. Ah non, voilà. Non, c'est plus ready. Ah, donc on a Mulimad, on a Jikin, on a Jolunu. Voilà. Bon, en tout cas ça va, on va pas dépasser 23h, ça va être cool comme petite soirée, tranquille. Voilà, je suis assez content. Ah, il va utiliser un truc, on m'appelle la manette Jikin. On voit que quand même nos speedrunners sont de grands professionnels. Hein. Ouais. Toujours avoir l'outil nécessaire pour faire tant de choses, etc. C'est intéressant. On voit quand même magnifique, les designs des vaisseaux ont bien changé entre F-Zero et F-Zero Grand Prix, BS F-Zero Grand Prix 2. Pour que le nom complet c'est BS F-Zero Grand Prix 2 ou BF F-Zero 2 Grand Prix 2. Ou alors est-ce que la lettre derrière le blason est un OB, donc ça donnerait OBS F-Zero 2 Grand Prix 2 ou F-Zero 2 Grand Prix, enfin voilà. Autre chose. On voit aussi que les vaisseaux ont bien changé. Hein. Oui, et même dans la configuration. D'ailleurs, on voit, je sais pas si vous voyez la courbe là, du côté de Moniman, la courbe de la bleue qui est vraiment violente par rapport à tout ça. Ah bah ça accélère fort. Non, je vais faire une scène 6 joueurs, merci. Moi je. Voilà. Quoique je pourrais. En vrai, je pourrais trop faire une scène 6 joueurs. Oh là. Ah bah ce serait pas mal. Oh là là, attendez. Si tu arrives. Attendez, on va parce que notre réalisateur de génie a peut-être une scène incroyable à vous proposer. Oh là là. Personne n'est prêt pour ça. Personne n'est prêt, mesdames et messieurs, personne n'est prêt. Notre réalisateur de génie va nous sortir de dessous son chapeau. Même s'il ne porte pas de chapeau, mais il va nous sortir de sa manche, même s'il est en t-shirt donc il n'a pas de manche. Donc voilà, il va nous sortir une scène 6 joueurs, pour pouvoir permettre de suivre tout le monde. Vous allez voir, messieurs, ça va être incroyable, ça va être passionnant, ça va être magnifique. Voilà. Beaucoup désolé, trop. L'idée qu'il est une blague à la base vient de moi. Voilà. Et oui, mais Bubu, tu vas être en main, ça va être ton moment de gloire. Voilà. Faut pas faire ça, on va rien voir. Ah, bonne question. Mais on va essayer. Fais confiance à notre réalisateur de génie qui nous improvise une scène du dernier moment. Mais si, Bubu Didi. Voilà. Bon, c'est pas improbable qu'on y voit pas grand chose, mais on va essayer. Ouais. On essaie des trucs. Et on fait des tests, hein. Après tout, nous sommes entre nous ce soir. Hein. Deux contre deux. Donc, s'il n'a pas de chapeau, puisqu'il n'a pas de manche, on peut espérer. Il va le sortir de dessous de son pantalon. Voilà. Sortir une scène 6 joueurs de son pantalon. Voilà. Ouais, exactement. Ça sera incroyable quand même. Ah ouais. Donc, mesdames et messieurs, déjà, capitaine, fais pas le con. Merci David Tifa pour cette magnifique blague. Donc, parce qu'il est bien de faire quand même des trademarks, c'est pas sympa, Jikin, de commencer avant les copains. Voilà. Tester la manette, je pense. Ouais, on avait le temps, il faut tester la manette, évidemment. Voilà. Donc, on avait un peu de temps. Mais même la course en marche arrière nous tout donne un indice de ce qu'est la course. Donc bon, c'est bien de voir, effectivement, ça marche. On voit quand même que les animations ont progressé aussi. Hein. Ah, c'est pas les mêmes, hein, clairement. Ah non, c'est pas les mêmes. Alors après, on peut se rappeler que la Super Famicom aussi. Alors d'ailleurs, Super Famicom, c'était pas un matériel, n'était pas tout à fait le même entre ce qu'avaient les Japonais et ce qu'avaient les Occidentaux. Oui, c'est vrai. Alors, donc il y avait quelques options. Notamment, pour ceux qui sont habitués avec la console précédente, donc la Famicom.
J'ai même pas fait attention à... Heureusement que tu n'as pas fait attention à la piste, tu manquerais la découverte. Donc la Famicom avait aussi son add-on à l'époque, qui était le Famicom Disk System. Donc au lieu d'avoir des cartouches, on avait des disques sur lesquels étaient installés les jeux. Et ces disques, en fait, avaient une capacité de mémoire plus grande, qui nous permettait d'avoir d'autres graphismes et des bandes-son supplémentaires. Une scène 6 joueurs. Voilà. Incroyable. On va tester, hein. Si c'est moche, on arrête. Mais voilà. Mais est-ce que tout le monde est ready, du coup? C'est bon, on est là pour faire des tests. Voilà. Donc c'est pareil sur Stellar View, on téléchargeait sur des disquettes aussi. Hein. Allez, on va être parti, du coup. Ah là, non, mais en vrai, ça rend bien, effectivement. Je pense que le 2x2 doit pas être... Bon, on peut en parler si vous voulez, tant qu'à faire. Le 2x2 avec les petits en bas, on va y voir quand même 2-3 trucs, je pense. Ça peut être sympa. Puis surtout, on a deux grands qui nous permettent de bien suivre l'action et deux autres pour savoir où en sont les autres par rapport aux deux grands qui sont de l'action. Donc nous avons Svenkov versus David Tifa. 5, 4, 3, 2, 1. Et cette fois, c'est parti, mesdames et messieurs. Bonne chance à tous. Mute City 4. On commence direct avec le quatrième Mute City. Nous pouvons profiter ensemble de la musique de Mute City. Alors à noter quand même, pour ceux qui ont bien su, qui sont bien déshabitués maintenant du stream de l'Ultime Decathlon, la musique du clip, c'est la musique de Big Blue, mais dans la version de l'Ultime Decathlon, nous ne faisons pas la piste Big Blue. Oui, voilà. Les boosts Skunkov. Oh là là là, il est risque de prendre Skunkov. Ah oui, allez, jouez nous. Raccourci. Alors, c'est pas improbable que vous souhaitiez passer par les tremplins et que vous mouriez bêtement. Je pense que c'est ce qui arrive à jouer nous. Les tremplins sont très bizarres, hein, et c'est normal. Mais bon, c'est voilà, vous inquiétez pas, ouais, effectivement, la mort est toujours punitive dans ce jeu, hein. Ah, pourvu, donc c'est F10, hein. Donc on va vite. Attends, on a toujours ces petits adversaires, ces petits traînards, fêtards. Alors, oh non, Skunkov, l'explosion! Là, Skunkov s'est fait avoir. Donc, effectivement, c'est ce que tu nous dis, la mort. La fameuse, toujours. Voilà. Waouh, nous dit Skunkov, effectivement, waouh. Faites attention à l'inertie, faites-vous pousser. On voit quand même les petites animations, les petites ailettes du vaisseau qui bougent à droite à gauche. C'est beau, c'est bien fait. Hein. Ouais, c'est pas mal. Hein. Alors, je vous conseille de vraiment pas passer par l'endroit où il y a le crash. Je vous conseille juste de ralentir et de passer à droite, en fait, simplement. Au lieu de faire tout ce... Oh là là, oh Skunkov. C'est bon, c'est passé. Heureusement quand même que le vaisseau peut se contrôler en l'air. Hein. C'est vrai. Si c'était un modeste jeu de voiture où nous pouvons contrôler d'autres véhicules que quand les roues touchent le sol, nous serons bien embarrassés. Et donc on continue, hein. On voit quand même que c'est tremplin. Ouais, on voit que Devil Tifa maîtrise le tremplin. Hein. Ah, par contre, moins l'épingle. Ah, l'épingle n'est pas évidente. Il faut bien s'arrêter de. Bah, comme le véhicule est très glissant, hein, celui-là, il faut bien appuyer d'affilée là, sur le bouton A, ouais, comme ça pour tourner le virage. Tapoter, ouais, exactement. Ce que vient de faire Skunkov, là, exactement. C'est le tapotage de bouton A pour garder du grip et tout. Hein. Ouais, ça se passe bien chez Mollyman, ça se passe pour Muididi qui a dû recommencer, Jolenou aussi, Jikin qui est dans son dernier tour aussi, il va prendre le tremplin aussi, Jikin, bien joué Jikin, il fait bien les raccourcis. On arrive au tremplin chez Skunkov, prend le tremplin, il passe, maintenant les gens ont maîtrisé ce tremplin et Devil Tifa a fini la course, mesdames et messieurs, en première position, suivi de Jikin, suivi de Mollyman, suivi donc de Jolenou probablement. Final lap, il reste deux tours chez Mumididi, deux tours chez Skunkov, un tour chez Jolenou. Donc on voit cette deuxième course, donc Whiteland, le retour de Whiteland. C'est bien ça? Oui, effectivement. Alors non, c'est pas Whiteland, non, pardon. Non, c'est Big Blue alors. C'est Big Blue, oui, effectivement. Ouais, c'est Big Blue 2, cette je crois. Fois, vous avez droit à la musique de que vous avez dans le clip grâce à Big Blue. Voilà. Donc attention, maintenant on a un peu de glace. C'est exactement ça, c'est de la glace. De la glace, voilà. Donc effectivement, Big Blue, ça glisse. Ah, Mollyman qui déjà se fait avoir par les glissades et tout. Jikin qui arrive aussi sur Big Blue. Jolenou qui arrive sur Big Blue, effectivement. Donc on prend un peu de vie chez David Tifa. Il reste 4 tours. Attention, Jolenou. Donc Mumididi qui va terminer aussi son dernier tour. C'est le dernier tour aussi pour Skunkov qui termine premier. Donc voilà, donc ce coffre qui a le raccourci. On voit encore ces tremplins. Les jeux aiment bien nous mettre des tremplins partout. On a la glace partout jeu, aussi. Oui. Voilà. Celle-là préfère avoir les tremplins, effectivement. Alors maintenant, est-ce que les tremplins nous font gagner du temps? Est-ce que, mesdames et messieurs, il y en a un qui veut tester le raccourci du tremplin? Bah, je pense que c'est... En vrai, le raccourci du tremplin sur ce circuit est vraiment gratuit. Je le dis vraiment sans vouloir que personne se crache. Hein. Mais honnêtement, il est vraiment gratuit. On veut du bonjour, on veut pas des tremplins. Alors effectivement...
On arrive là, alors est-ce que ça fait vraiment gagner du temps, c'est ça la question. Alors après ça nous fait arriver à la vitesse maximale, mais c'est vrai qu'on a un véhicule qui a déjà une accélération suffisante, donc pas forcément obligatoire, mais je vous assure que vraiment on arrive facilement sur la flèche, et il y a très peu de problèmes pour y arriver. Bon, alors, là, je comprends que c'est un peu stressant parce que c'est race, mais ça peut se tenter. Voilà, ça peut se tenter. Alors attention, mesdames et messieurs, on a un tour, plus que deux tours à faire pour Devetifa, qui est quand même bien loin, alors que Skunkov lui a à peine tardé le premier tour. Jovenou, qui a aussi un Muididi, qui va aussi qui est dans le dernier tour. Déjà dans le dernier tour. Non, non, j'ai déjà rien dit. C'est bon, il reste encore des tours, un petit peu voilà, là. Il reste un tour. Il est quoi que, dernier tour maintenant pour Devetifa. Ouais, Devetifa, dernier tour. Pareil chez Moliman, bientôt, là. Bientôt, j'ai dit, hein. Tout de suite, hein. Jikin, c'est qui ça, en dernier tour. Jikin aussi, ouais. Bah... Voilà, trois tours, il reste trois tours chez Skankov, donc on va. Alors, finalement, on tente pas le raccourci, il faut pas déconner. Par contre, j'ai l'impression que si on va trop vite, on peut sauter d'un tremplin pour se retrouver dans le trou. Ce serait embêtant. Non, j'ai jamais réussi en tout cas, mais. Ouf, non, bah. Devetifa pas là qui a un petit peu tourné, qui a un petit peu glissé. Attention, il ne faut pas faire tourner les serviettes, il faut rester droit. Et c'est bon, c'est terminé chez Devetifa. Voilà. C'est bientôt terminé chez. C'est terminé chez Jikin, du coup, j'ai terminé chez Moliman. Sandstorm, la tempête de sable, mesdames et messieurs. Voilà. Oui, Jikin a terminé. Ça, c'est un nouvel environnement, donc. Puisque c'est Sandstorm 1, celui-là n'est pas dans F0. Donc, attention, vous allez vous découvrir quelque chose de nouveau. Sable. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier déjà, ce circuit? Je crois que. Qu'il y a des passages voilà, avec des bombes hein, et qui nous amènent sur les côtés. Ça, c'est dans le présent, dans le mode expert, pas trop dans le. Ben, je crois pas du tout, même dans le mode normal qu'on joue, nous, la Queen League. Et donc, ça nous expulse totalement, en fait. Donc, cette petite zone là où on a des bombes au milieu et on a une zone qui nous fait des dégâts sur le côté, ouais, elle est un peu relou. Un grand besoin de précision, et effectivement, ici, ça veut dire qu'il faut faire attention à l'énergie de son petit vaisseau. Donc, Skunkov qui vient de terminer Blue Big Blue. Voilà, attention. Qui va aussi le terminer. Voilà. Alors, après, la prostrate aussi, c'est de se prendre toutes les bombes lors du premier tour, et de se... comme ça, après, on n'est plus emmerdé pour les tours suivants. Effectivement, il y a de la technique des bombes. Tu prends les bombes, ensuite tu te reprends des points de vie au deuxième tour, et c'est bon, tu vas tout droit. Voilà. Il a l'air pas mal ce jeu, on peut changer pour nous des lui des 8 demandes d'Ilia. Alors c'est vrai que les bombes, tu as raison. Il a l'air pas mal, hein. Bah, je vous laisse tenter, hein. Je vous laisse essayer évidemment. Voilà, essayez. Alors non, c'est pas si on décide de passer outre les bombes. Skunkov esquive les bombes pour son premier tour. Voilà, on voit le retard. Jikin qui, attention, il esquive. Oh, ah, mais non pff, attention. Il y a le petit retardataire. Ou le PA ou le. Faut faire attention parce que là, il va plus avoir beaucoup trop de. Il a précipité sur une des bombes. Hein, et non, cette voiture violette qui nous embête. Voilà, alors c'est comme ça, ça passe. PV. Bon, ça va, voilà, ça va le faire. Ah, non, mais ça va, il y a encore beaucoup de PV là. Il a plus des 3 charges de ses PV. Il était limite avant la fin du tour, mais ça s'est passé. Non, voilà, il a pu bien recharger. Heureusement, on peut passer par les stands. Donc, final lap pour Devetifa, final lap pour Moliman, on va final lap pour Jikin. Non, pas tout de suite, pardon. J'anticipe un peu trop pour Jikin, mais il arrive bientôt dans le final lap. Voilà, il est dans le final lap pour Jikin. Donc, profitez-en, mesdames et messieurs. Devetifa qui est en tête pour l'instant de cette course. Il évite bien les bombes, il passe bien au milieu, il n'est pas embêté par les petits retardataires, il double bien ce retardataire. Skunkov lui aussi passe bien à travers les bombes, mesdames et messieurs. Moliman, est-ce qu'il y a. Ah non, Moliman, il s'est pris un truc. Et Devetifa finit cette troisième course en première position. Et il arrive donc dans la dernière course de ce tournoi fun. Et Moliman aussi arrive. Et Jikin voilà, aussi arrive. Aussi, voilà, Jikin est arrivé. Genou ne va pas tarder, il lui reste. Bientôt un tour. Il lui reste deux tours bientôt pour Muididi. Il reste deux tours pour Skunkov. Il évite bien les bombes. Et donc on arrive sur. Donc cette fois c'est Deathwind de mémoire. Alors c'est Silence. Hein. Silence. Ça s'appelle Silence. Ah Silence. Ça ressemble en tout cas l'environnement ressemble beaucoup à Deathwind. Mais donc ça veut dire qu'il n'y a pas le vent qui nous emmerde. Non, il n'y a pas le vent qui nous embête ici. Et donc c'est on a vrai. Plein de virages à angle droit avec des bombes à mont, des rangées de bombes. Là, on a cette chicane en fait, si qu'on peut prendre à fond. En fait, cette chicane, il y a une technique dans F0. En rebondissant contre le mur du face, on se fait pousser sur le mur derrière nous pour revenir pleine vitesse devant sur tout droit. Donc, est-ce que les gens vont le faire? Est-ce que les gens le sachent? Est-ce que les gens savent le faire déjà? Dans la prononciation, est-ce que les gens sont au courant qu'ils peuvent le faire? Est-ce que les gens ont appris la technique?
Non, David Tifa est prudent, mais il n'y a pas vraiment besoin, j'ai l'impression qu'on peut prendre à fond, tout simplement. Oui, on peut y aller à fond, ça c'est pas un problème. Voilà, donc il n'y a pas besoin. Mimi Didi qui finit son dernier tour de ce... Oh, attention, les bombes chez David Tifa qui le précipitent dans les bords. Heureusement... Ah, mais là, par contre, on n'avons plus sur cette portion les rebords rebondissants. Oui. Là, attention, attention. C'est assez marrant, ça fait penser à Mario Kart un petit peu, où on prend, c'est-à-dire, on prend les bords et on tombe directement. Ah, mais c'est la fameuse route arc-en-ciel. C'est un certain... Oh, c'est Jikin qui se prend un enchaînement de bombes. Il a perdu beaucoup de PV. Il a perdu beaucoup de PV chez Jikin. Il faut faire attention, là, il est moins de la moitié. Alors qu'on va Jolenou qui est un peu du mal avec les retardataires et tout. Attention, c'est Chicken qu'on peut. Oh non, Jolenou qui s'est pris une grosse expulsion. Les adversaires n'ont pas été sympas avec Jolenou. Ah là 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 là. C'est terrible. Voilà, donc David Tifa qui va. Oh, c'est pas très loin. Oh, attention, ça tranche de bombe. Jikin qui se prend une bombe. Oh, Jikin. Oh non. Il allait revenir sur la piste, mais ce n'était pas le cas, Jikin. Non, du coup, ça replace bien. Attention, Molly Man, il est dans le dernier tour aussi. Mais il y a ses adversaires, qu'est-ce qu'ils vont le pousser dans le vide. Attention, David Tifa, on sent le stress chez David Tifa, mais c'est bon, il a passé la zone difficile. Molly Man aussi. Et Molly Man, David Tifa, c'est très serré. Ils sont tous les deux dans le dernier tour. Et c'est la fin pour David Tifa. Pour David Tifa et pour Molly Man aussi. Ah oui, ils sont très serrés. Avec 5 secondes d'écart en plus, je sais pas. On verra. On verra au niveau de l'écart, puisqu'on en est freeze de stream et voilà. Et tout ça. Mais donc on peut profiter. Et Moniman il a pas rentré son temps. Voilà. Bon ben après vous pouvez évidemment enchaîner la prochaine course. Hein. Ouais, mais c'est là qu'on timé. Mais normalement c'est à la fin du quatrième temps qu'on rentre le truc. Mais voilà, si vous voulez enchaîner pour voir qui définitivement, parce que là on suppose que David Tifa et Moniman sont à égalité, peut-il voir qui est le meilleur du meilleur entre les deux. Cette guerre entre Moniman, cette guerre psychologique entre Moniman et David Tifa. Parce que rappelons que mine de rien, ça prépare déjà les phases finales. Dans un tournoi fun, évidemment. Ouais. C'est rapide. Oh là, Skunkoff n'a plus beaucoup de PV là sur le dernier tour. Attention, Skunkoff! Ouh là là, il a, en plus, il doit être en power. Il est en power down. Là, on voit la plus barre de vie. Il clignote, il est en power down. Ouais, mais là, 3... c'est bon. Il a passé les obstacles. Il va pouvoir terminer. Attention quand même 3, à ses ennemis. On sent qu'il est prudent. C'est bon, ça va passer. C'est bon, c'est fini. Pour Et voilà. Alors maintenant, on est là. Donc c'est maintenant la bataille psychologique entre David Tifa et Molly Man, hein, les petites déguerres. Donc, continuons, Jikin qui est dans son carton, parce qu'effectivement Jikin comme je nous font partie de ceux qui sont malheureusement morts, mais Mididi qui est dans son dernier tour, il a beaucoup de vie, mais on a un freeze stream, donc on ne voit pas, il est vu qu'il est gêné par ce retardataire. Oui, il y a... le risque. Ah, je pense qu'il va pouvoir finir là maintenant. Voilà, c'est bon, là il a passé la journée. Il va être au dernier tour aussi, il va pouvoir terminer. Voilà, c'est Jolenou, c'est fini, c'est Skunkoff. Skunkoff qui était donc mort assez tôt, mais qui finit finalement 3ème. Donc voilà, Mimi Didi qui est terminé, Jolenou qui va terminer. Il reste encore un tour pour Jikin. Voilà, attention. Oh, attention, Jolenou, cette portion délicate de vide. Il est passé par-dessus un adversaire, c'était bien joué de la part de. Ouh là là, Jikin en a peur pour lui, mais c'est bon, il a encore suivi. Maintenant, cette portion, cette dernière portion du stress. Voilà, c'est passé. Attention, on évite ces retardataires, on évite de se rendre les murs, on a encore besoin de gagner ce CPV. C'est bon, on a ce gros virage, on a cette chicane, et c'est la ligne d'arrivée pour Jikin. C'est fini, voilà. Donc, nous profitons de la fin, le dernier tour dans Sandstorm 2 pour Devil Tifa et Mojo Liman qui a fini en devant de David Tifa. Donc dans la petite guerre psychologique, Molly Man, David Tifa, Molly Man prend un avantage. Cela va-t-il se ressentir? Voilà. Skunkoff qui lui aussi s'est lancé. Après Molly Man, il fallait timer à la quatrième course, pas à la dernière. Donc c'était pas. C'était le timing avant qu'il fallait prendre. J'avais timé les 10 minutes, mais au final vous êtes arrivé à la fin. Bon, voilà, c'était une histoire de timing. Voilà, pour la plupart, arrivé à la fin. Il y en a qui auraient été un petit peu avant, mais bon, rien d'exceptionnel. Voilà, mais on voit quand même Mimididi qui lui a profité de son timer. On voit Jikin qui est dans ce truc. On voit, il y a un gros aimant au milieu de la map qui nous emmerde là. Ah oui, carrément. Ah, nous on sort les mots maintenant, voilà. Pas de problème. Effectivement. C'est désolé pour ceux qui ont été choqués par cet abus de langage grossier. 4 tours pour Jikin. Skunkoff lui, il reste 2 tours. Attention, ce gros aimant pénible au milieu de la map.
Voilà, voilà. Le temps que Moneyman retime, ça ne devrait pas changer grand-chose, hein, puisque... Alors si, ça peut changer la première place de bah, Tifa. C'était serré. Avec à la 4... fin de la avec, course, c'était très serré. Hein, ouais. Donc, mais voilà. Au classement, ça ne changera pas grand-chose au final. Faut un classement qui n'a de toute façon pas des masses d'importance. Bah, mais voilà, vous voyez cette dernière course. Après, c'est 3 tours chez Jekyll Skatkov qui sont dans son dernier tour. Le gros aimant qui est pénible. Attention, attention, le gros aimant qui est pénible. Donc, Jolenou, il reste 3 tours. Attention, c'est 7. Faut pas tomber trop bas quand même, rappelons-le. Et c'est fini chez Skankov. C'est bientôt fini chez Jikin, il reste 2 tours. On a Mumididi qui a continué lui aussi. Il est dans son premier tour de Sandstorm. Donc, oh, voilà. C'est bien, vous aurez tous fini le jeu comme ça. Si vous voulez soumettre sur speedrun.com, vous pouvez. Alors, je crois que le jeu le existe. Jeu est possible sur SRC, donc profitez-en. À la limite, c'est le seul jeu que vous aurez terminé ce soir. Et en même temps, vous voyez que je donnais. Sur SRC, il existe des tonnes de variantes. Par exemple, il existe un espèce de, je sais pas comment dire, un espèce de hack de Super Mario Bros. Sur PC qui s'appelle Mario & Luigi, qui était sorti sur DOS, une espèce de démo. Et donc, il y a des gens qui soumettent encore de nos jours sur speedrun.com. C'était compliqué, il passe 5e là, mais c'était ric-rac. Hein. Ouais, là, il est 3e, mais attention, il y a peut-être cette voiture violette qu'on veut doubler là. Bien changé aussi, hein, tu vois. Attention, limite 3, on veut, voilà, c'est bon, on passe deuxième. On va passer la zone de l'aimant là. L'aimant pénible, oh, Jikin, il le prend parfaitement, Jikin, il y a l'aimant. Je l'ai nous un peu moins bien, mais il est très bien passé quand même finalement. Donc voilà, attention, on va dire, on est troisième, je suis Jikin. On va pas se faire doubler avant la fin. Oh, il s'est fait doubler avant la fin. Oh là 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 là, Jolé nous, il a perdu, mais c'est pas grave. Hein. Ça il s'est fait doubler parce qu'il a pas pris le boost. Alors ça a aidé évidemment. Ah, mais... voilà. Oui, non, mais tu as passé à une quand même. De toute façon, c'était pas... Ah. Ça comptait sauf pas forcément. Quand il mais... est chaud, il est reparti sur Mute City 4. Souvent, les règles de l'idée, ça comptait, mais c'était plus pour la storytelling que, voilà, voilà, que voilà. C'était marrant, t'inquiète pas. Voilà, voilà. Donc. Non, mais pour le storytelling, c'est important le storytelling hein, dans les tournois. Donc voilà, on sent qu'il veut soumettre sur speedrun.com parce que lui, il est parti sur une race. Hein. Il est reparti sur Mute City 4 à fond. Je pense qu'il veut, il veut se venger de la course. C'est ça, il veut faire le meilleur. Alors, est-ce que tout le monde a terminé? Mumididi est au final lap. Ouais, allez, Mumididi, courage, final lap. C'est... Il est 3ème, il faut pas qu'il finisse 4ème. Hein. Attention, Mumididi, il faut pas que tu finisses 4ème. Est-ce qu'on est un expert? Est-ce qu'on est passé en expert? Ah oui, joli. Ah, effectivement, on voit que la voiture joueur 1 elle est plus compliquée à doubler là. Et attention, le manque qui est passé, c'est Mumididi, mais il est toujours 3ème. Il est à la limite de se faire voir comme Jean Lenou. Attention, attention, je le noue, voilà. Ouh, troisième, bien joué. Oh, c'est fini de justesse chez Mumididi, la voiture chaude qui vient juste là pour l'embêter. Mais bon, tout le monde, sauf je le noue. Allez, je le noue, on t'accorde que selon les règles de l'idée, c'est fini. C'est course eh comme oui, il a course, passé ça arrivée. Compte comme course validée. Il a passé la ligne d'arrivée au dernier tour. Et oui. Très important. Donc voilà. C'est passé. C'est pour ça, c'est passé. Voilà, nous avons les résultats. Du coup, talala, suspense. Devil Tifa ne va pas prendre la première place de BSF02. Il va et prendre. Puisque c'est Moliman qui l'emporte. Voilà. Incroyable. Et il va quand même faire 95 points sur les 100 disponibles. Deuxième, ça sera Mumididi. 76 points. C'était serré, hein. Oula. C'est serré entre Moliman et Mumididi. 67, 66. Et on voit que la mort à la première course de Sudkorf coûte très cher. Puisqu'il marque, il finit avec 64 points et 61 points pour Jikin. On a 6 points d'écart entre la deuxième et la cinquième place. Ouais. Puis après, je vous le noue un petit peu plus loin et je trouve qu'il n'a pas participé. Voilà. Non, ça fait un petit classement. Voilà, vous étiez 7, c'était quand même sympa de faire ce petit restream et de vous faire découvrir ces jeux-là. Je sais pas s'il y a d'autres prequels et sequels d'autres jeux, mais j'ai fait le tour et théoriquement, j'ai rien trouvé. Donc voilà, je vous ai partagé à peu près tout ce que j'avais de disponible sur ces. Bah sur ces jeux-là, sur les jeux de l'UD, je crois pas qu'il y ait autre chose en termes de trucs. Moi, je trouve ça très marrant, en tout cas, de vous faire voyager sur ce qu'il y avait avant et après. Bah, ça permet, voilà. Ça permet d'un peu d'approfondir un peu les lore du jeu, si je puis me permettre, de voir différentes choses, de voir des idées qu'ont eu les développeurs sur ce qu'ils sont. C'est ce qu'ils ont voulu mettre en place, sur ce qu'ils ont enlevé, sur ce qu'ils ont amélioré, sur leur façon de jouer, de programmer. Enfin voilà, c'est. Il y a ça nous permet de voir l'évolution des jeux. Alors, attendez. attendez. Il y a trouvé un Bubble Ghost sur Steam. Alors, c'est où ça? Alors, d'ailleurs, pour info, un Bubble Ghost. Oh! Ouais, alors. Je vais d'ailleurs te donner une info sur Bubble Ghost. Mais la version Game Boy est un remake d'une version. Atari ou Amiga, je ne sais plus. Ah, mais voilà. Compliqué à émuler quand même.
Ah oui, mais voilà. Donc en fait, et alors par contre, il faut savoir que autant les graphismes ils sont mignons sur Game Boy, autant la version Atari Amiga, c'est pas aussi mignon. Bah que si ça. C'est ce qu'il a trouvé en tout cas, mais ça existe à part. C'est gratuit sur Steam ce Bubble Ghost. Alors bien sûr, c'est pas Bubble, hein, c'est Bubble, hein, on est d'accord. Oui. Bubble Ghost. Ah non, il est payant. Ah, terrible. Ah non, il a 4,99€ effectivement. Il est terrible, mais ça a l'air d'être le même jeu, juste remis au alors, du jour. Alors, c'est les graphismes Atari. C'est les graphismes Atari. Mais il y a une version Amiga avec des graphismes encore plus détaillés. Mais donc, le fantôme est moins souriant. J'essaierai de vous retrouver les graphismes. Attends, je vais essayer de voir. Je vais quand même la montrer, tiens, pour montrer un petit peu aux gens ce que c'est. Voilà, tout simplement. Bah tiens, je vais vous montrer. Hop. Pour qu'on ait voilà pour qu'on ait juste un voilà, aperçu faites partager j'ai trouvé voilà. Donc c'était bien la version Amiga aussi qui existe, c'est le même jeu en fait, que c'est le même jeu exactement que sur Game Boy, mais les graphismes sont différents, vous avez beaucoup plus de détails voilà. Voilà, je vous montre ça, mais c'est assez alors c'est, qu'est-ce que tu montres, voilà. Donc, ouais, ça c'est Bubble Ghost sur Atari donc. Mais donc vous avez les détails plus, vous avez la version plus détaillée sur Amiga. J'essaie de vous trouver, j'essaie de, je vais te faire partager ça. Bubble Ghost Amiga. Je te retrouve le même niveau exactement, mais sur la version Amiga. Afficher l'image. C'était le côté marrant évidemment de la chose, on va pas y jouer, du coup il est payant, donc on n'y jouera pas. C'est dommage hein. Ça aurait fait une exclu supplémentaire si jamais il était gratuit, mais il est payant. Ouais. Alors je sais pas si t'arrives à faire quelque chose de cette image que je vais t'envoyer sur Discord comme tous. Voilà, tu es là. Mais voilà, ça c'est la version Amiga qui ressemble à la version Atari mais avec des graphismes un petit peu plus détaillés. Trouver une meilleure qualité peut-être. Oui, je vois pas forcément la différence, mais bon. Ouais, c'est comme dit, c'est vraiment au niveau de la finesse des graphismes, et donc j'ai une meilleure image, enfin le fantôme en train de faire la tête. Bah enfin voilà, c'était sympathique en tout cas de commencer ça avec vous. Mais donc c'est, en gros c'est le même jeu que sur Game Boy mais avec des graphismes différents. Voilà, hein. Les niveaux sont les mêmes. Peut-être que la maniabilité change un peu, mais voilà c'est le. Elle est déjà bien sur Game Boy donc ça va. Ah mais je sais pas si c'est mieux ou moins. Ah oui, bien, bah, hein. Oui ça on ne sait pas. Voilà. Mais quoi qu'il en soit. Ça paraît moins mignon quand même. Dans, C'est ça, beaucoup moins. Ça fait un peu peur même, je trouve. Hein, c'est bizarre. Voilà, voilà. Pire nous dit ça, ça a été testé. C'est vrai qu'en même temps, on, voilà. aurait pu l'acheter, on peut l'acheter et le revendre directement. ça aurait pu, c'est vrai. J'aurais pu penser faut sur le Steam, tourner à la main. C'est-à-dire, faut le tourner à la main. Qu'est-ce que t'appelles le tourner à la main? Ah oui, explique tout ça. Il va y avoir les deux touches. Oh là là, mon dieu, ça va être une horreur. Bon bref, la version Game Boy était nulle. Voilà. Sur ce, on vous donne rendez-vous effectivement samedi. Samedi, c'est le tournoi de la dernière chance qui va arriver. Enfin, on vous donne rendez-vous déjà vendredi pour le récap. Ce sera, il fera peut-être. Ouais, voilà, pour le récap. Ou attention, ah vendredi, oui. C'est là qu'on bloque les scores. Enfin, c'est là qu'on gèle les 20h. Scores. C'est là qu'on a les qualifiés. C'est là qu'on aura ceux qui sont qualifiés directement pour la GF1, directement qualifiés pour la GF2, et ceux qui devront passer par le tournoi de la dernière chance. Voilà, donc pour très l'instant, bon, GF1, il n'y a pas trop de suspense, apparemment ça a l'air plutôt bloqué. Mais on ne sait jamais, en deux jours ça peut changer. On sait jamais, bah, GF2, par contre, on est sur 2-3 points d'écart. Hein, Il y a des bagarres. Voilà. Il y a bagarre. Entre 6, 7, 8, 9, je crois, c'est très serré. Mais voilà, dans tous les cas, ça fera un petit truc. Et on ferme donc les PB à 20h, c'est-à-dire que vous ne pourrez plus soumettre à partir de 20h, et à 21h lors du récap, on fera donc la mise à jour, et on verra qui est passé, etc., etc. Effectivement, on a des bagarres là, une bagarre 2042, 2040, 2038, 2035, donc on a 7 points d'écart pour la 6ème place. Ouais, c'est pas beaucoup, et ça peut. Et sachant que je ne compte pas Frappe ZC qui est derrière en embuscade. Oui, alors après, on Frappe ZC. Il ne compte pas dans le classement en tous les cas. Voilà, et après, lundi, on se retrouve pour un autre tournoi fun d'une autre manière. Ce sera pas ça, ce sera plutôt. Sur les jeux, vous connaissez, mais ça reprendra un principe que vous connaissez, qui avait été fait dans une idée précédente. Là, c'était un nouveau concept, je crois que ça n'a jamais été fait. Je ne sais même pas si c'était possible de faire ça avant.
sans blaguer, parce qu'il fallait trouver des tricots Discord assez conséquents quand même, qui existent sur les mêmes consoles et tout. Et après, voilà, les showmatch, évidemment, ben, Moniman, tu en parles, n'oubliez pas de vous inscrire pour les showmatch. Il y a déjà des jeux qui sont soumis. Plein de jeux qui sont soumis, et c'est cool. On a vu des choses qui sont des idées précédentes, qui ont été des catégories modifiées et tout. Moi, je trouve ça trop bien. Franchement, si vous faites des catégories modifiées, c'est trop trop cool. Ça pourrait être sympa de voir ça. Ce jeu-là, par exemple, si vous voulez le présenter. Si vous êtes assez fou pour présenter ce jeu de l'horreur, parce que c'est un jeu, comment dire, c'est un univers. Color Symphony 1, voilà, Mehdi qui est en train de le continuer. Les alors franchement, faut y aller. Hein. Color Symphony 1, je n'ai pas fini le jeu et honnêtement, faut avoir envie. Enfin voilà, plein de rendez-vous en tout cas. D'ici la fin de l'UD, il nous reste globalement. Pratiquement 3 semaines avant la fin de l'UD, donc on est bientôt fini là-dessus, et voilà, on réserve 2-3 trucs. Et puis, alors, évidemment, samedi d'après, il y aura les grandes finales, et samedi encore après, un dernier tournoi Decafun, où là, vraiment, c'est tous les 10 jeux, hein. Il n'y en aura pas que 4 comme là ce soir, il y en aura 10, ça va être hardcore, et en même temps, ce sera peut-être le dernier tournoi pour certains d'entre vous qui seront pas forcément qualifiés aux petites demi-finales, puisqu'il n'y en aura que 6, donc forcément, ça sera peut-être un moment de profiter des jeux d'une autre manière. Voilà tout. Voilà, c'est ça. Donc en tout cas, rappelez-vous bien, vous pouvez soumettre jusqu'à vendredi 20h pour le classement pour les qualifiés pour aller à la grande finale. Samedi, le tournoi de la dernière chance avec le petit récap qui nous attend. Voilà, voilà. Voilà, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, et merci d'avoir été là pour ce petit tournoi. Voilà, et bonne soirée.